Je vais sur Twitch directement. Ah, je t'ai entendu dans le re... je me suis entendu dans le retour. Là, si je fais ça, tac. Là, normalement, je m'entends. Ok, il fallait que je réactive le truc. Je sais pas pourquoi ça. En fait, je crois qu'il y a eu un bug quand j'ai éteint OBS hier. Bah Donc, c'est pour écoute. ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce stream MCX. Heureusement que je l'ai vu dès le début. Oui. Oui, Bien, c'est bon. en compagnie de Ok. Gabriel. Gabriel, comment ça va? Ça va et toi, comme Ça je va disais. super. Ok, super. Petit résumé de ce qui s'est passé avant-hier, du coup. On a commencé par un match de Ligue des Champions pour toi avec un 3-1 contre Fribourg, doublé de Josué Escoto, magnifique, la petite pépite en prêt avec option d'achat, qui va sûrement sauter, hein, je pense, on peut se le dire, on peut se le dire. Bah 6 millions d'euros s'il continue comme ça, c'est plus 6 millions que je donne, c'est 40. Ah oui. Puis, victoire 3-0 contre Saint-Étienne, Saint-Étienne réduit à 10. Avec encore un but de Scotto, un but de Moukoko, un but de Fabinho. Très belle victoire. Et ensuite, un match plus compliqué avec un 2-2 contre Bordeaux. Bordeaux qui menait jusqu'à la 89e, jusqu'à la 83e même, qui menait 2-0. Puis but de Moukoko, puis but de Robbie Morgan, alors que Lens était à 10 contre 11 à partir de la 15e minute. Donc c'est un contre-script qu'on a eu. Mais malgré tout, juste avant de jouer l'Ajax, ça le problème. Blessure de Escoto et blessure de Moukoko qui sera absent pendant plusieurs mois. Et donc ça c'est problématique et c'est un petit peu inquiétant pour la suite de la saison, mon cher Gabi. Et oui, tout à fait, Camille, puisqu'on m'annonce 4 mois de blessure hein, pour Youssoupha Moukoko, hein, qui apparemment s'est blessé comme d'habitude. On a un peu, c'est un peu le Neymar de début de saison du RC Lens, voilà, Youssoupha Moukoko. Sauf que à l'inverse, Il lui est bon. gagne des trophées. Alors, pop, pop. Alors, Du côté de ensuite, Strasbourg. du côté de. Ah, sauf que lui, il a le ballon d'or. Alors. Même plusieurs fois. Et plusieurs fois. Ah, Alors, du côté de Kylian, prends-en Camille. de la graine. Hein, voilà. Hop là. Ribéry. Bisous. C'est méchant. Alors, Liverpool. Lille et Griezmann. Liverpool. Non. Hop là. Tac. C'est parti pour Suarez. C'est parti. La défaite d'abord. Pour commencer. Aubameyang. Hop là. Je suis 3-1. chiant. Défaite 3-1 contre Liverpool. La Donc, première défaite de bon. la C'était saison. un peu. C'est déjà, oui. La première défaite de la saison. Tous les clubs français ont perdu un match. Ça y est, c'est officiel. Il faut savoir du coup que Liverpool, c'était un peu attendu, hein, notamment avec une attaque qui a les trois marqués, voilà, Guillemot, Fino et Touré, voilà, c'est super. Mais on y a un peu cru, on y Ouais, a un petit peu cru, on vous avoue. parce que malgré le score fleuve 3-1, le match était extrêmement serré et c'était même équilibré et limite une légère domination de Strasbourg mais qui a pas réussi à conclure au niveau des actions. C'est ce qu'on disait en fait la dernière fois pendant le match, c'est que Liverpool a fait parler son expérience parce que malgré le fait que le match soit 50-50, et c'est peut-être au moment où on s'y attendait le moins, et bien c'est à ce moment-là que Liverpool a fait la différence. C'est peut-être la marque des grands, finalement. Façon, C'est que. leurs 3 buts, c'est à des moments où on allait mieux. Hein. Ah bah. Voilà, hein, les choses sont dites, les termes sont dits. Donc voilà. Et derrière, malheureusement, contre Lyon, Là, on c'est un braquage, s'attendait. là, c'est un vol. Là, c'est un vol parce que bon, il y a eu une domination strasbourgeoise pendant tout le match et Lyon a su faire la différence en début de match et a su surtout défendre pour pouvoir maintenir le score. Et malheureusement, c'est une défaite pour Strasbourg. Tout de suite, là, va y avoir le match entre Auxerre et Strasbourg justement pour pouvoir resserrer la main à la victoire, renouer à la victoire. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus beau. C'est trop tard Ça aurait été puisque plus beau. au classement de la Ligue 1, forcément, avec ce match nul. Eh ben, ça va de Lens, ça va venir tout resserrer parce que voilà devant Oui, pareil, pareil, c'est déjà comme à fini. chaque saison 28 points pour le PSG. On attend toujours la fin de saison pour que le PSG commence un petit peu à craquer. On ne sait pas pourquoi. Et derrière Lens 23 points qui a du coup déjà joué un match en plus par rapport aux autres. Et c'est là où ça devient intéressant. Du coup, c'est que Lyon 20 points, Strasbourg 18 points, Marseille 18 points, Rennes 16 points, Auxerre 16 points. Tiens, tiens, tiens. En parlant de Auxerre et Bordeaux qui du coup a perdu des points bêtement, on va le dire, 15 points, se retrouve un tout petit peu largué dans ce haut de classement. Brest et Toulouse relégables, Saint-Étienne qui renoue presque avec la Ligue 1. Voilà, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Exactement. Lol. Est-ce qu'on va pas pouvoir se strasbourger un petit Putain, peu là? j'allais faire la blague.
Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, je suis allé à la pharmacie ce matin. Pas d'entorse au pouce, c'est officiel. Normalement. Ah oui, t'es. Ah oui, t'es tué. Bon. Bah, c'est-à-dire Normalement. que moi, j'ai mal à la main, je me suis pas dit, bon, bah, j'ai la métacarpe. Ah non, non, mais attends, mais je t'envoie une photo de mes mains. Ah. Parce que, genre, j'avais vraiment mal en le pliant. Et encore ce matin. Mais normalement, tu vas voir un petit peu la. Merde. La diff entre les deux doigts. Normalement, t'as reçu la photo. Alors ça c'est quoi? À gauche, La première? c'est ma main droite. À Ok. droite, c'est ma main gauche. C'est logique. Et il est quand même enflé, celui de gauche. En vrai ça va, c'est Bah, à en quoi? C'est la fait. paume de main là, non? C'est ça? Non, le pouce. Ah c'est le pouce? Bah, en fait, genre, c'est 50-50. Il y a des gens qui le voient vraiment gonflé et des gens qui le voient pas. Ah par rapport à au fois où tu m'as montré ton pied. Ah oui, non, mais le pied, c'était encore autre chose. C'était Oui, c'est vrai. hardcore. Mais non, je trouve que c'est lequel qui est censé être enflé? C'est celui de gauche, non? Ouais, celui de gauche, ouais. Mais genre, en fait. Ça dépend des. Il y a des gens qui le voient vraiment gonflé et d'autres non. Si je le vois un peu. Effectivement, il a l'air plus gros qu'au niveau de la base, Et en mais. fait, genre, dès que je le bouge, ça craque. Ah, c'est super ça. Ça me fait mal quand même quand je le plie, donc je suis quand même allé voir ce matin. Non, il m'a dit de mettre de la glace, donc étant donné que je suis allergique au froid, ça me fait mal encore plus. Et j'ai de la pommade à mettre. Donc vous êtes en train de me dire qu'on parle de la victoire de Lyon 3-1 à Metz, alors qu'il y a eu un match exceptionnel entre Bordeaux et Lens? Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je suis dépité, j'ai plus envie de jouer. Et bon, on arrête. C'est fini. Voilà, pas super. Fin de la C'était carrière. fin de live. Fin de carrière, fin de carrière. Ah oui, carrément, tu... Bah oui. Ok. Bah, on s'arrête là. Finis même pas la saison. Non, non, bah... C'est de la merde, de toute Voilà. Ciao. Salut à tous! Mais non, on revient, putain. Je pense que les gens. Tu penses qu'il y a des gens qui sont partis en se disant Ouais, c'est vraiment je fini, pense, ouais. genre et tout. Ouais. Putain, ça va vraiment mettre balle des tissus, hein, par contre. Let's go! Oh, l'attaque pourrie. Dans mes vêtements, quoi? Ah oui, c'est. Oh, je viens de voir le calendrier, putain. Deux. De moi. Toi? Oui, mais toi, ton calendrier, il est infernal, Ouais, mais on l'a dit. je l'avais un peu oublié. Bah moi, mon calendrier devient un peu plus compliqué d'un coup, du coup. Oui, voilà. Toi, ça allait et finalement, ça va plus. Le calendrier va bien, c'est les joueurs qui ne vont pas bien. C'est ça. Mais dis donc, Camara, tu Ah, dis progresses. donc, Jamy. Samba. Samba, Samba allez. Camara. La Point, la point. la 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 la. Il est quand ton match là? Tu joues jamais ou... Si, à 15h. Ah ok. Ah alors est-ce que j'ai le retour sur Escoto ou pas? 5 novembre. Ça va. 5 novembre? Ça va? Bon, Bah on est on loin des m'avait deux dit... mois. Bah on m'a dit 6 semaines moi de base. Hein. Ouais. 6 semaines c'était... Bah, c'était Bah fin 21 octobre, novembre. ça... c'était mi-mi Ouais, début décembre, fin novembre, mi-décembre début quoi. décembre, ouais. Là, ça me dit début novembre, quoi. Bah, voilà, Genre, tu. dans Non, 2 semaines, mais il est ton là, club, quoi. c'est vraiment n'importe quoi. Bah, en même temps, ils ont tous 20 dans. C'est pas faux. Ils ont tous 20. Il n'y en a pas un qui a pas 20. Je crois que le seul qui a pas 20, c'est le responsable dès qu'il Ok. Donc, le big boss est moins bon que les autres. Et bien évidemment, c'est comme tu disais, le Oui. coach, il est moins bon que les joueurs sur le terrain. Oui, en fait, c'est assez Mais c'est lui logique. qui organise tout. Donc, Amandine Henry à la pointe de l'attaque de Auxerre. Non, il Ah s'appelle Léandre Henry. oui, Léandre Henry, ouais. Je me présente. Ouais, bah on me dit toujours 23 janvier, donc ça veut dire qu'il gagnerait un mois. De base, on m'avait dit 4 mois, là ce serait 3 mois pour Moukoko. C'est du grand n'importe quoi. 23 janvier, c'est chiant quand même, parce que le match contre le Oui, PSG est mais le 21, toi. 23 janvier. Oui, non, mais 23. T'inquiète pas, 23 janvier, ça va devenir début janvier. Il va être là pour la Coupe de France. Mais pas... bah, en attendant, il loupe quand même l'Ajax 2 fois.
Oui, non, mais ça, bien sûr, il va louper beaucoup de matchs, mais il va en louper moins Il que prévu. va... Non, mais en match important, il loupe l'Ajax deux fois. Je peux jouer au match, moi. Freiburg. Comment? Je peux jouer au match ou. Non, l'Ajax deux fois. Nice, Freiburg, l'Inter, toi, Monaco, Lyon, peut-être Paris. Ah, Et le il est début de la Coupe de pas France. non plus facile ce calendrier quand même. À la fin, il se complique. Moi? Ouais. Ouais, j'ai à la fin de la saison, j'aurai Strasbourg, Lyon, PSG. Ah, OM. ça va être sympa. Ben en fait, j'ai les quatre premiers. Oui. J'ai de réaliser là. Oui, à la fin de la saison, j'ai Strasbourg, Lyon, OM, PSG. PSG, OM plutôt. Allez, les gars. Je veux du but aujourd'hui. Hein. Ok. Les gars. Oui, je vais sur le terrain. Parti. Ah, par contre, il y a moyen qu'Escoto soit là pour le match retour contre l'Ajax. Ah, ça c'est bien. Donc ça, c'est cool. Heureusement, vive la trêve. Ah non, c'est pas la trêve, c'est vrai qu'on Non, a on toujours revient de une la semaine trêve de là. pause. Oui, non, mais c'est que Ah oui. on a toujours une semaine et demie de pause, nous, parce que vive le calendrier à 34 matchs. Ouais, mais pour autant, c'est un peu con parce qu'on aurait pu ne pas avoir cette pause, mais ne pas avoir deux matchs dans la même semaine, par exemple. Oui. Ça, je me suis à le dire depuis la saison 4, je pense. Mais je pense que c'est fait comme ça parce que je pense que les autres ils ont une coupe nationale à cette date-là. Et tu vois, vu que l'UEFA organise quoi qu'il arrive Ouais. des calendriers qui restent, même si après les championnats font un peu ce qu'ils veulent, etc. Une base en mode, faut que la journée 1 elle soit de cette date-là à cette date-là, faut que la journée 2 elle soit vers ce week-end, tu vois. Après le championnat décide, tu vois ce qu'ils veulent faire, mais Ouais, oui, faut parce que ça concorde parce que que bah il y a la Ligue des Champions, la Ligue Europa et tout. Donc. parce que nous, nos championnats, ils commencent. Ça dépend. En Italie, ils commencent plus tôt que nous, je crois. Ou en Allemagne, ils commencent plus tôt. C'est en Allemagne, ils commencent vachement tôt, Ouais. alors que bah, ils sont moins que nous. Et nous, après, on commence. Et ensuite, t'as la PL, la Serie A et la Liga qui se lancent en Ouais, même c'est temps, je ça. crois. Bah, gentil gardien. Oh, gentil gardien. Allez, c'est but celui-là. Deux cornards d'affilée, tu vas pas me faire croire que. D'accord. Puis rien après, même pas une contre-attaque. Rien. On a fait des entraînements. Choi! Waouh! On a fait des entraînements à la conversion d'occasion là pendant la trêve, donc j'espère que ça va porter ses fruits. Bah oui, parce que de toute façon, il y en a marre de dominer les matchs et de pas marquer. Ouais! Ouais, il a raison. Bah justement, c'est... Ah. Qui la prend? Ça Oh sert à la rien de vache, courir. qui court comme ça? C'est Péco ça. Ça C'est c'est du Pico là Péco ça. qui s'est donné Ouais, c'est là. Ah oui, Péco. c'est Pico. Oh Péco, encore. Putain. Ah, tu Ok, Pico, il on se donne. bascule Hein. le jeu, c'est mal joué. Putain, le contrôle. Hein. Cette balle, Pedro. On se croirait un 5. Oh hier j'ai quand même fait un contrôle magnifique. Hein. Oui, de Contrôle. la poitrine et t'as enchaîné et Non, l'enchaînement pas derrière. celui-là, pas celui-là. Je sais plus si c'était une passe en retrait ou je sais pas quoi, mais que tu m'as fait alors que j'étais au goal. Mais qui était à niveau de. Ah Genre niveau de oui, hanche. c'est pas moi, c'est pas moi. C'est qu'est-ce qui te faisait, qui t'a fait une passe bizarre, genre de merde, Peut-être un peu. Samy. Samy? Peut-être Samy. Je sais plus, mais genre vraiment j'ai fait un contrôle kung fu. Oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Ouais, c'était pendant la deuxième mi-temps, non? Ouais. Putain. Oh! Ah, il s'est laissé l'avantage Oh et c'est oui. normal. Heureusement que l'avantage a été laissé parce que ça a permis à Eric, ce jeune Espagnol De mettre son qui, premier but de la saison. pourtant marquer les buts de base ne devrait pas être sa spécialité. Il devait être créateur de jeu, faire la passe. Et pourtant, regardez-le, c'est lui qui a plusieurs reprises et il l'a déjà montré auparavant. Qui vient de temps en temps se projeter et venir Vinicius prolonger les terminer les actions. Et pourtant, lui, normalement, c'est plus les frappes de loin. C'est. En plus, donc bah, les gars, faut tirer. Oui! Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à un moment, Et faut tirer, il faut y aller là. déjà quatrième but pour Péco cette saison. Ça va J'avais vite pas vu, quand mais même. Imagine, il y en a un, on il était retrouve les déjà Péco à quand même. 7. Imagine, il y en a un, il était déjà à 7. Et il était en plus à 6 passes D. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il était impliqué dans 13 de nos buts. Oui, bah ça va, c'est bon. En 10 matchs. C'est bon, c'est bon. Bah pour une fois, 13 de nos buts, c'était lui. Péco il s'est pas blessé, donc ça va.
Attends, ne parle pas trop vite parce que. Je dis pour une fois. Ouais. Oh, Pedro Porro, blessé. C'est pas Pedro, c'est Daniel. Ouais. Bah, toi, c'était Daniel, mais il y a un Pedro Porro. Ouais, mais je crois que là, c'est le Daniel, celui de Saint-Etienne. Je suis pas sûr. Je vois moins qu'il s'appelle pas Perro. Pourquoi ? Juste chien. Mmh. Ah, c'est Daniel Porro, Saint-Etienne, ouais. Effectivement. C'est le mien, celui-là. Ouais. Daniel Chien. Daniel le chien. Il s'appelle comment ? Envien Tantan ? C'est son frère ? Non, on avait déjà vu, ouais, mais non, c'est pas lui. Ah, ouais, ouais. Envien Ngoc Tong. Ngoc. Gok, gok, gok. Allez, les gars. Il y a une proposition qui a été faite pour les arbitres qui est de faire des conférences de presse, mais pour les arbitres. Ok, genre d'après-match ? Genre d'avant et d'après-match, en mode... Okay. Non, les deux. En mode, comment ils sentent le match, tu vois, en avant-match, comment ils sentent le match, le contexte... J'aurais plutôt fait après-match qu'avant-match, parce qu'avant-match, bon... Bah, c'est toujours intéressant de dire... Vous allez favoriser quelle équipe Ouais, mais tu vois, il y a des trucs en mode... est-ce que vous avez pu échanger des mots avec les entraîneurs sur le contexte du match est-ce que des questions sur l'arbitrage vidéo, comment ça va se passer, etc. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais oui, après, conférence, je comprends ta question, ta remarque, mais c'est vrai qu'une conférence d'après-match, moi, je serais chaud. Après-match, ouais, parce que du coup, il peut expliquer ses décisions et tout. Qu'avant match, voilà, bon, ressenti, ça va souvent se répéter, je pense. Oui. Mais tu vois, même sur pourquoi il a mis déjà ses décisions, d'une part. Ah bah ouais. Et puis même pour lui, pour la suite, quel sera son prochain match à arbitrer, etc. Tu vois, des trucs basiques comme pour un entraîneur ou un joueur, tu vois. Pourquoi ? Il y a faute là-dessus ? Ok. Oh, dommage. Ouf. C'est un match tranquille pour toi pour le moment. Attention. Attention. Oui. C'est vrai qu'il y en a qui se sont fait remonter 2-2 alors que. Ah bah regarde, c'est ce qui est en train de se passer entre Saint-Etienne et Brest, regarde. Oh putain. Regarde, il y a 2-1 alors qu'ils se sont pris un rouge, ils jouent à 10 contre 11 depuis la mi-temps. Brest qui commence à jouer RP. Yes. Hollande. Bien joué, lui de Pico. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était magnifique. Putain, Lorient qui met 2-0 contre le PFC. Putain. Et Clermont qui tient le match nul contre l'OM. Ça fait plaisir. Ça, c'est les petites news qu'on aime bien là. Ça, c'est les infos qu'on aime. Oh oui. Magli, Guillet, Gustave. Guillet, Magli, Eric, ah bah. Dias, ah ouais. Alka, Magli. Oh, il l'a. Oui, il l'a. Peko. Je sais pas quand est-ce qu'il revient. Je crois qu'il revient de blessure là, Hoylund. Parce que normalement. C'est pas la semaine pro ? Ah putain. C'était 3 semaines. Bah, je sais que c'était 3 semaines, mais je sais pas s'il revient là ou pas. Bah déjà, après, il va pas revenir joueur du mois de première ligue. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que bon, il y a peut-être un hors-jeu en quelque part. Ouais, mais s'il n'y a pas hors-jeu, qui a marqué ? Ouais, c'est ça la question. Hors-jeu, ok. Eric, ok. Eric, du coup, ok. Ah, il aurait pu mettre un doublé. Alors, oui. Jusque-là, oui. Ça touche pas le gardien. Ça a touché le gardien, vu que le gardien l'a touché, ça devrait l'annuler, non ? Je t'avoue que je l'ai passé. Ah. Parce que quand il y a poteau et que ça retombe sur le joueur, bien sûr. Parce que, bon, même si c'est difficile d'y croire, il peut y avoir des joueurs, c'est arrivé, je crois déjà, des joueurs qui ont calculé l'angle qu'il faut pour tirer sur le poteau, que ça vienne du coup sur. Faut de la chance, mais oui, ça peut arriver. Genre le mec se dit, allez, avec un peu de chance, si je tape sur le poteau, ça revient dans les pieds de mon pote. Mon pote. Par jeu. Du coup, le gardien, il est perdu.
On a quand même eu deux masterclass de nos clubs français hier qui ont réussi à marquer dans chacun de leurs matchs. C'est vrai que. Oui, Un but sur un centre. c'est vrai que. Alors que de base, je pense que les deux, ça devait être des vrais centres, tu vois. Je pense qu'il y avait aucun Ouais. qui, y en avait aucun qui voulait mettre le tir. Mais c'est vrai que déjà, assez rare pour le remarquer, tous nos clubs français ont gagné cette semaine. Déjà. Bah après, il y en a de moins en moins, mais. Non, mais parce qu'il y a des semaines où, certes, et ça on le félicite, où de plus en plus, quand on a 6 clubs français, il n'y en a aucun qui perd. Ça, c'est beaucoup arrivé. Je me souviens de cette masterclass, je ne sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était la première année de la Ligue Europa Conférence quand Rennes était avec Tottenham Ah ouais. en Ligue Europa Conférence. Il me semble que la dernière journée, on finit par 5 victoires et un match nul. Je crois. Bah C'était là, une grosse cette année masterclass. on Oh là là! cette année on a fait ça. Hein. On a Il y a fait une journée. trois victoires, trois matchs nuls et on a fait 5 victoires, un match nul. Ouais, On a fait les deux. on avait fait des belles journées. Donc ouais, bien sûr, ça c'est. Attention, Mais tous nos voilà, clubs sont plus le sortis des. football français, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une certaine évolution dans le bon sens, Ouais. où on voit que, bah on en avait déjà parlé de toute façon, mais que les clubs français prennent de plus en plus au sérieux l'Europe. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, où vraiment ça délaissait l'Europe parce qu'il fallait gagner les points le week-end en championnat. Mais en Alors championnat, que. bon, on régresse un peu. Bah, après, le niveau du championnat reste bon quand même. Genre, par rapport à Ouais, 5 ans, je trouve que le championnat il a un oui, il bien a meilleur évolué. niveau, Je tu trouve que l'année dernière était plus serrée que cette année. L'année dernière, le niveau était plus relevé que cette année. Je sais Parce que pas. cette année, pour que Brest se retrouve deuxième. Ah, je pense que c'est pas un hasard. Hein. Mais ils ont pas des. Enfin, ok, ils ont des bonnes strates et tout, mais ils ont pas Parce des que bons tu joueurs regardes autour. derrière eux, Monaco, il y a une très bonne équipe sur le papier. Nice, il se base sur une défense Bah, de feu, ce qui Nice fait que commence ça à prendre l'eau marche. là. Hein. Ouais, mais parce que c'est dur de tenir sur toute une saison un certain rythme, tu vois. Oui. Nice, il se base sur une défense de feu pour pouvoir tenir, ce qui marche en soi. Derrière, t'as quand même Lille qui joue, je trouve, très bien Ouais, mais je trouve qu'en Ligue en 1, ce ça manque moment. d'un truc. Genre, ils se. Ça manque d'un lance, tu veux dire, qui, comme la saison passée, avait un peu fait rêver par son niveau de jeu et sa folie dans son style de jeu ou. Ouais, non, même pas. Je trouve que non, je trouve que le niveau est quand même moins bon que l'année dernière. Je sais pas. Oh, bien joué, Chetti. Oula. Parce que ouais, le niveau peut-être est moins bon, mais pourtant on s'en sort vachement bien en Europe. Je veux dire, Ah oui. ouais, il y a la contre-perf de Lens, mais en soi, c'est peut-être ça qui les faillit, c'est que bah, c'était une première saison européenne depuis plus de 20 ans. Oui, et puis en plus, il y a eu pas mal de changements à l'effectif. Voilà. Là où je pense que C'est-à-dire que l'année prochaine, Freiburg. l'effectif ressemblera quand même pas mal à celui qu'on a là. Oui. Non mais ce que je veux dire, Freiburg. Oh là. Ça sent le. Oh! L'objectif, c'était pas s'en prendre aujourd'hui, c'est dommage. À la dernière seconde en plus. Ouais. Freiburg, tu vois, Freiburg, bon certes, ils allaient vraiment pas bien, peut-être qu'ils jouaient moins bien que Lens ces derniers temps, tu vois. Mais l'avantage, c'est que Freiburg, eux, ils ont joué des coupes européennes récemment, quoi. Oui, Donc voilà. ils ont déjà l'expérience un peu plus ces dernières années, tu vois. Après, oui, bon bah Toulouse c'était un peu attendu contre le Benfica. Et Même pourtant, ça s'ils aurait se pu sont très passer. bien défendus. Et puis t'as Rennes, bon bah Rennes contre Milan. Rennes vient s'offrir quand même une belle victoire contre Milan, même si c'était une équipe AB. Ouais, mais le bilan n'a Ça pas reste joué. Hein. un. C'est ça reste un. Tu vois, Rennes a de plus en plus des matchs références européens, tu vois, ces dernières années. Et ça, c'est quand même bien pour eux, tu vois. Oui, ça par contre. Ouais. Donc ouais, en soi, notre saison européenne, elle est pas dégueulasse, tu vois. Ah oui, non, mais la saison européenne, ça je suis totalement d'accord. Moi je te dis, c'est vraiment la saison nationale, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Est-ce que c'est le fait que aussi on a eu des Olympiques un peu absents par rapport aux années précédentes? Ouais, bah en fait, c'est qu'il y a plus de clubs surprises cette année que d'habitude, quoi. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression aussi que le niveau est moins bon. C'est parce que t'as plus de petits clubs qui sont devant. Je veux dire, Oui, mais c'est pour moi, entre Brest. pour moi, ces petits clubs-là, je pense pas qu'ils seront encore devant la saison prochaine, tu vois. Ah bah non, bah après, tu vois, ça arrive, hein, des clubs Oui. Mais là, qui font une il y en très a belle perf beaucoup, une année et cette puis. année, quoi, je trouve. Ouais, on a Nice qui? Il y a devrait pas Brest, être aussi haut. Reims. Reims est un peu moins bien Après, il que y a un l'année vrai dernière. projet à Reims. Il y a un Ouais, vrai projet à Reims est un peu Reims, moins bien donc que l'année dernière. Il y a moins la c'est un peu. surprise. Ouais, L'année bah. dernière, ils arrivaient vraiment en surprise. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que vraiment, je trouve que bah, le fait que tu aies plein de clubs français où maintenant tu peux plus vraiment te reposer, Ouais, bah oui. ça change beaucoup de choses, tu vois. Parce que je veux dire, c'est ça qu'il n'y avait pas avant les années précédentes. C'est que en gros, tu avais les 7-8 premiers de Ligue 1 qui faisaient peur, mais le reste, tu pouvais mettre l'équipe B, Ouais. ça passait, quoi. Là, maintenant, je veux dire, tu regardes le 16e de la Ligue 1, c'est Montpellier.
C'est pas parce qu'ils sont 16e, perso. Moi, perso, je vais à Montpellier. Je me dis pas que c'est gagné. Hein. Au Ah oui, contraire, non, hein, là-bas, clairement. c'est une forteresse à Montpellier. Hein. Donc, Let's ok, go. à l'extérieur, ils sont pourris. Mais à domicile, faut les prendre, hein, les points là-bas. Hein. Les jeunes ont battu Metz et passent premier du championnat. Let's go. Pareil, je sais pas, moi je prends au hasard. Je prends bah, Strasbourg qui est 12e. C'est pareil, hein, le Strasbourg c'est la nuit ou le jour, et le moment où c'est le jour, Ouais. tu peux pas passer, hein, contre Strasbourg. Ouais. C'est pour ça, hein. Toulouse c'est 10e. Il y a 3 journées, ils étaient derniers. Hein. Vraiment. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y avait des surprises? Bah, il y a Paris FC qui a perdu contre Lorient, mais c'est pas tant une surprise. Enfin, c'était assez serré, donc voilà. Ouais. Il y a le nul de Clermont et Clermont Marseille. Montpellier partout, c'est pas mal ça. Là, quoi? Clermont Marseille, Marseille, oui. pardon. Je dis Montpellier, ils sont pas là. Non, non. Montpellier, Et ils sont... Ah, ils sont Sochaux qui gagne contre Toulouse. Et Saint-Étienne qui bat Brest. Et Nice qui a perdu contre Rennes. Ok. Ça nous donne 28, 23, 23, 21, 19, 19. 16 points du coup pour Auxerre qui a perdu. 15 pour Je Bordeaux. suis pas Ok. si loin de vous en fait. Mais non! Mais parce que t'as perdu qu'un match. Ça aide aussi. Ah, Ah, tu vas me dire d'où on est aussi. devenu la deuxième meilleure défense. Paris est passé devant. Ah ouais. Bah Mais déjà 30 buts pour le PSG, c'est bon. après, on est à 20 avec Lyon. Bah, je suis à 18, je suis pas très loin, mais 30. Ouais, c'est vrai qu'ils ont mis 8 à Toulouse déjà. Auxerre, 20 buts. Hein. Ouais, non, mais Ils en prennent, mais Auxerre ils a en une marquent. très Hein. très bonne attaque. Auxerre, les deux équipes contre qui ils prennent le plus de buts, c'est toi et moi. Ouais, et clairement. On Bizarre. leur a mis tous les deux des pétés, vraiment. Ah, en plus, moi, c'était la première journée. Et Après, ouais, ils perdent contre Clermont, des ouais, grosses troisième. équipes, hein. Bah, ouais, non, même pas. Non, Bon, il y j'ai a rien dit. Lorient. J'ai Non, il n'y rien a que dit. Clermont. En vrai, Clermont. Ouais, Lorient est un peu moyen. Heureusement, Marseille, je les ai gagnés au bon moment. Je viens de voir que j'ai gagné 4-0 contre chez eux. Ouais. Bah, je les joue bientôt, moi. Je. Les chocottes. Mais Lyon, je les ai joués ou pas? Non. Ah non, c'est vraiment ma dernière journée de la phase aller. Ok, très bien. C'est bizarre. Oh, la fin de saison va être banger. Pour moi, ça va être insupportable. Ça va être super à suivre. Hein. Vous allez voir Lens passer de on joue le titre à oh ouais. Ouais, parce que bon, dans les dernières journées, alors du coup, je rejoue pas Paris, puisque Paris, je vais les rejouer après ma fin de phase aller. Marseille non plus, puisque aussi. En fait, c'est la mi-championnat là qui va être dur pour moi là. Strasbourg, Lyon, Paris, Marseille et Rennes. Putain, mais j'avais pas vu, j'ai Rennes en plus. Je fais Strasbourg, Lyon, Paris, Marseille, Rennes. Mais à la fin du Oh, ils ont championnat, je pas fais mal Strasbourg, de. Lyon, Alors, Auxerre. attends. Lui, il a joué quelques matchs, ouais. Ok, il est Péan blessé. n'exclut pas un départ de Choi Young-yu. Non, mais j'ai juste Bah répondu, alors? je lui ai répondu vite. Ouais, bah super. If you let me in another moment. Nanana Ah, c'est vrai que Leipzig a perdu contre le nanana. Shakhtar, j'avais oublié ça. Nan, let me down. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qui est la meilleure équipe à domicile de la Ligue 1? Pas dans notre session, mais dans la vraie vie. T'as la réponse du coup, tu me fais un quiz, c'est ça? J'ai la réponse. Ok. Si tu poses la question, j'imagine que c'est pas Paris. C'est Paris? Ah bah je sais pas mec. Non, bah non, bah ok, d'accord. Bah J'ai dit je te ça que j'ai pas eu de demande. réponse, j'ai dit bon, j'ai vu juste direct. Non, non, Attends, qu'est-ce qui est je bon à te demande. domicile? Lance? Non. Lens est 7e à domicile. Ah ouais, ok. Le Lens pourrait être 6e parce que t'as quelques équipes qui ont quelques matchs en plus. Ouais. Marseille? Non. Attends, non, non, non. Non, Marseille est 3e. Après, il peut y avoir... Ah, Brest? Non, Brest est 4e. Paris doit être deuxième, non? Paris est 2e. Alors Paris est premier actuellement, mais en termes de points par match, Paris est Ouais, 2e. ok. Parce que du coup, bah, il y en a qui ont 12 matchs à domicile, d'autres qui en ont 11. Ok. Voilà.
D'autres qui en ont 13. Je sais pas pourquoi. Je chiterai pas. Lyon. Pas Nice. C'est pas Nice. Nice, non. Nice est 5ème. Parce que je me dis Nice, vu comment ils sont chiants, ça peut peut-être être eux. Je suis en train d'éliminer petit à petit les équipes là dans ma tête. Ça va. Impossible que ce soit Strasbourg. Ça peut pas être Reims. Strasbourg est 10ème. Ouais, Strasbourg est 10ème à domicile. Ça va pas être Reims non plus. Ça va pas être. Lille? Oui, c'est Lille qui est la meilleure équipe à domicile. Ok, putain, j'aurais pas dit. 26 points en 11 matchs. Ah ouais, putain, ça performe à domicile. Hein. Et du coup, le PSG à domicile, c'est 27 points, mais en 12 matchs. Donc, okay. En termes de points par match, c'est bien Lille qui est la meilleure équipe à domicile. Putain. Il y a l'extérieur, Camille. Bah, c'est Paris, du coup. Oui, et puis largement, puisque le PSG a 28 points en 12 matchs, plus qu'à domicile. Okay. Et tandis que le deuxième, c'est Monaco avec 22 points, donc 6 points au moins, en 12 matchs. Ok. Voilà, ok. C'est pour toi. Putain, Mbappé, il a déjà 21 buts en Ligue 1. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi. On pourra dire ce qu'on veut, genre la Ligue 1, c'est un championnat de peintre. Mais 21 buts, quoi ouais. Qu'il arrive dans n'importe quel championnat, c'est énorme. C'est beaucoup. Là, il pourrait arrêter sa saison maintenant. Franchement, il est quand même bien. 21 buts, c'est bon. C'est très bien. Ah ouais, Leipzig, c'est chaud en ce moment. Ah, il joue pas bien. Ah si. Ah. C'est deuxième de Bundes. Ah. Attends, oui, Pedro Porro, c'est à Dortmund, c'est vrai, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Attends, mais. Parce que Iscotto, il les tire bien, ses corners, le chien, là, quand même. C'est... Bah, quand il a les gens qui fonctionnent. Je comprends pas ce que. Qu'est-ce que t'essaies de dire? Qu'est-ce que tu caches, ton sourire? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Aux armes! Aux armes. Ah oui, c'est vrai que toi tu joues ce soir. Ouais, je suis en prime. Contre le Jax. Et bienvenue sur le plateau. Non, pardon, c'est pas la bonne voix. On n'a pas fait guichet fermé contre Auxerre. Putain, on n'a pas fait guichet fermé. Des merdes. Quelle tristesse. Pourtant, Auxerre est bien classé. Normalement, c'est pas cette voix-là que j'aurais dû faire, c'est... Et bienvenue sur ce plateau de Canal+. Aujourd'hui, on se retrouve évidemment en compagnie de Pierre Ménès. Bonsoir, Pierre. Ça fait longtemps que t'as pas regardé, toi. C'est... T'as suivi un peu l'actu ces dernières années? Non, pas trop. Okay. J'ai vu ces petites vidéos sur la Coupe du Monde 2018 où ils faisaient un petit récap. Ah ouais. Tu l'as vu ces dernières vidéos, tu les as vues? Moi, je l'ai vu devant une cour, j'ai pas compris. Ok. J'ai pas compris la vanne, je sais pas. Ok, la. Penalty, qui va tirer les penalties? Putain, c'est terrible, y'a qu'un seul mec qui est bon au péno chez moi. Coup dur. Et il les rate. Et il les rate. Vraiment, c'est. Bon, alors, on va mettre Yous en premier parce que, bon, voilà, ça reste Yous. Hein. Putain. Qui pour tirer en second les péno? Nico, hein, il les tire bien. Ouais, il a 6 de finition. Hülkenberg.
Strasbourg. Oh, je suis fatigué. Dixit, le gars qui passe son temps à imiter des gens. Mal. Non. Non, alors là... Ouais, les arguments voilà, sont bons. Non, c'est la fin. Voilà, pas de... Pas d'autre... Pas de chute, il n'y aura rien. Pas de chute, pas d'envie, pas de... J'ai pas envie. Ok. Ça te pose un problème ? Non. Bon, voilà. Et bah c'est... voilà, on va faire tirer eux. Hein. J'en ai déjà 5, c'est bon. De toute façon, ça sert à rien de s'entraîner au péno. De toute façon, voilà, je suis un club français où j'ai la même mentalité. Bah, j'espère que le coach de Marcelino, le coach de Villarreal, a bien retenu ça. Hein, que ça sert à rien de s'entraîner au péno. De toute façon, ils iront pas au péno, donc ça. Ça les arrange bien. Attends, parce que. Un club français qui a gagné 4-0 au match aller qui va jouer contre un club espagnol au retour, on connaît. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est que bon, tu parles un peu vite, je trouve. Après, je... Oh, City qui a perdu contre Real Madrid. À domicile en plus. À domicile. Bon, il y a besoin de l'accent. Sur un péno, j'imagine. Même pas. Je suis taquin. Non, dans la logique et l'impartialité. Oui. Carton jaune pour Achraf Hakimi. Pour le Real Madrid. J'ai pas envie de jouer ce match. Je comprends. Moi j'ai pas envie de jouer demain non plus. Ça bien, on arrête. Je sens que mon épopée européenne va être à chier. Ça va être une horreur. Mais non ! Bah je suis déjà à 2 défaites en 2 matchs. Mais non ! Moi aussi j'ai peur. Tu sais, moi dans la vie, moi j'ai peur. Pourtant, il faut avancer. C'est vrai. Voilà, fin de l'argument. J'ai pas envie d'aller. Ça se tient. Putain, du coup, Arthur Cofield, il est trop fatigué pour jouer contre l'Ajax. Ah, du coup, le projet d'agrandissement du stade a commencé, ok. Là, normalement, je vais voir des. Bon, je joue pas encore à domicile parce que je joue jamais à domicile. Sauf que je joue contre Auxerre à domicile. Mais du coup, on va avoir des échafaudages. Je vais jouer. Est-ce que tu penses que je vais jouer des mecs qui ont pas le cœur à 100% ou pas ? Tu joues contre qui après ? Sochou. Ouais. Parce que j'ai Moyo et Tuffel qui sont un peu dans le mal. Laisse-moi revoir où est-ce qu'il joue dans ta tactique. Bah Tuffel il est à droite et Moyo à gauche. Ah ouais. Ah c'est chiant ça. C'est un risque. Je vais peut-être quand même les faire jouer. Ouais mais j'ai Godsen qui joue bien à droite. Et... Oh ça y est, Tuffel il est accompli à droite. Et ben voilà. Ah oui non merde. Bah quoi? Ah non mais j'allais dire bah voilà tu peux le faire jouer mais du coup non bah si c'était lui qui était à mettre sur le banc. Non mais il est fatigué. C'est parce qu'il est fatigué que j'ai pas envie de le faire jouer. C'est pas parce qu'il s'est... Il est oui, pas oui. Naturel à droite. Accompli c'est déjà bon hein. D'ailleurs, mais c'est bien ces... Il y a toutes ces stats qui baissent, je sais pas pourquoi. Ah. Il est pas heureux au club, il préfère rejoindre Strasbourg, je comprends. Perte de niveau récente. Moi ta place. Un peu faibli en passe et en tac quoi. Pourquoi? Bah, pourtant on me dit que son niveau augmente. Hein. Bon bah. Bon. Son niveau global augmente, par contre certaines de ses stats baissent, ok. Ah ouais. C'est techniquement qu'il a un peu baissé. Ah mais peut-être juste que techniquement il a un peu baissé parce qu'il est dans l'apprentissage d'un nouveau poste en fait. Juste... Bon je vais faire jouer Alain quand même. Parce que ça reste un pilier à gauche. Ouais. Par contre Tuffel je le fais pas jouer parce que lui et Mogapodi pour le moment ont à peu près le même niveau. Dans 2 ans on en reparlera mais... En fait ce que je veux faire comprendre c'est qu'il y en a qui a vraiment 5 étoiles de potentiel. L'autre bon. L'autre non quoi. Mais après il est jeune hein, il va encore progresser hein, mais c'est vraiment pas beau parce que celui-là il était vraiment forcé hein.
Ça s'est entendu hein, sur la fin. Même pas. Parce qu'il y a eu le... On l'a entendu à la fin. Non, c'est que je fallait qu'il reprenne de l'élan. Sinon, il est resté bloqué, justement. Donc, il n'est pas forcé. Mugapo Didiki joue à ce match en tant que capitaine. C'est vrai qu'il est beau, le Johan Cruyff. Il est beau, Johan Cruyff. Non, mais... Il y a Bruno Iglesias, tiens. Comment on se retrouve? C'est parti! Oh là là. Bon, allez, la défaite est interdite. Hein. Ils ont gagné leur deux premiers matchs. T'as vu ou pas Carlos Sainz? Ouais, appendicite. Ouais, ça fait quand même deux. Parce que l'année dernière, il avait déjà un qui avait une appendicite. Et c'est Oui, et c'est pour ça que c'était. Il y avait un changement de pilote. Ou alors c'était il y a 2 ans. Je me souviens pas du tout de ça pour le coup. C'était il y a 2 ans. Ah bah, je m'en souviens non plus. C'était il y a 2 ans parce que c'est pour ça que. Attends, comment il s'appelait déjà ce con? Lawson? William Lawson? Non. Qui était pilote de réserve. Avait. Non, De Vries. De Vries, pardon. Oh merde. Aïe aïe. Donc deux cartons rouges en 2 matchs. C'est ça que FM me propose là. Ça vous me proposez, ok. Est-ce qu'on est sur. Est-ce que tu penses qu'on a une loi d'échange équivalent comme avec les deux Olympiques? Genre quand il y en a un ça va moyen, l'autre ça va bien. C'est pénible là quand même. Oh j'ai cru que. J'ai cru que vous avez vu le gardien d'Auxerre. Là on joue le match nul contre l'équipe qui a gagné ses deux premiers matchs. En gros. Et puis c'est le même scénario parce que tout à l'heure c'était contre Bordeaux c'était la 15ème, là c'est la 14ème. Non mais c'est. Alors le principe des scripts c'est de les espacer un peu pour pas qu'on se rende trop compte. Oh, là c'est dur. Oh, Vitinha sur penalty, c'est lequel? J'ai pas vu. La 40 des Vitinha en plus. Bah ouais, c'est pour ça. Oh non, mais... non, pas deux. Un, no dos. Puis comment il loupe ça? Non, pardon, excuse-moi, mais. Oh là là! Wesh, Ulysse devant le but, quoi. Ouais, pardon. Et il a marqué le but de la victoire. Ouais, c'est vrai. Non, mais il a marqué 3 ou 4 hein, des il en a marqué 2. Ah, ok. Enfin, il en a marqué 3, mais l'autre il a été annulé parce que bon, il a fait un contrôle de la main. Ah. Alors que mon centre était magnifique. Ouais, bon alors. Quoi? Quoi? Non, mais je veux dire, oui, le centre était magnifique, mais bon, c'est pas parce que le centre est magnifique que le but doit être validé, quoi. Si. Non, mais je faisais des beaux ballons piqués derrière la défense quand j'aimais bien ça. Pas toujours tous précis, mais quand ça passait, c'était beau. Ouais, Péno! Et c'est le Vitinha du PSG? Non, c'est le Vitinha. Ah, c'est lequel, lui, putain. Bah, dis les clubs. Porto. Et après Wolverhampton. Et après Après, pour Porto. Et dans la vraie vie, ça s'arrête à partir de quand 2021-2022, c'est ça Ouais. Porto. Ah, c'est celui du PSG. Ok. Bon, bah, il est à Porto, du coup. Ok. Dans sa carrière, il aura juste fait un prêt à... À Wolverhampton et c'est tout. T'as dit du ça coup, j'aurais pas Antoine pour le prochain match contre l'Ajax. Ouais. Ouais. Bon, bah, ça va faire jouer Sofiane. Hein. Wouh! Le retour! Oh, la... ça va y avoir la BBB. BBB. Bellage Bougens Baldi. Ah, tu laisses quand même un espace à droite comme ça? Enfin, à gauche, ta gauche. Oui. Bah, vaut mieux ça, je préfère avoir une défense solide. Ok. Okay. Puis c'est okay. Moyo à gauche, donc je fais confiance. Ouais, mais il est fatigué. Non. Ah, il était déjà fatigué, il va s'épuiser le pauvre. Bah oui, bah, il jouera pas sur chaud, quoi. C'est ça. Salim Marega. Salim Marega. Salim Marega! Bien joué à tous.
Enfin, Daniel arrive, il a marqué pour Tottenham. Daniel! Fils de pute là. Ah, c'est pas ça son nom? Daniel! Fils de Fils de pute pute là! là! Daniel! Fils de pute là! Je vais faire comme L'avantage c'est Ancelotti, que. je vais manger un chewing-gum en même temps. Hein? Vas-y. L'avantage c'est que Fribourg ne gagne toujours pas. C'est l'Inter qui m'intéresse, hein, c'est pas Fribourg. Oui, mais au moins t'es quasiment sûr d'avoir une troisième place. Mais on s'en fout de la troisième place. Ok. Bah moi je t'avoue que ça m'intéresse pas mal ma troisième place. Parce que là quand je vois comment c'est parti pour. Non, mais il y a un moment. Il y a un moment en fait. Non, mais va pas courir à la VAR, ça sert à rien. Alors attends, parce que là il y a des news, tac tac tac. Je vais faire comme si c'était rien passé. Hein. Alors, Evans et Rashford seront prêts pour le match, ok. Ah, Højlund va encore rater le match, dommage. Il espère qu'il sera là, qu'il sera de retour pour le match contre. Oh putain. J'ai oublié qu'on avait fait. Oh merde. J'ai oublié qu'on avait fait Cup pour jouer Liverpool. C'est terrible que ce soit autant rigide. Ouais. Terrible! Je peux même pas bouger ma gueule. Salut! Putain, c'était l'Inter ton ennemi juré pour ce groupe pour la première place et finalement. Ah, finalement quoi. Putain, je vais me faire éliminer. Non! Marge! Non mais là, ça sent mauvais, hein. Oui! C'est vrai que un tir, ça fait pas beaucoup. Bah 10 contre 11 Camille. Bah contre Bordeaux. Bordeaux est un match de référence maintenant. Il est pareil, il me fait un match pété. Ah normal, il a pas de balle. Ah bah là il vient même pas aller chercher. Si, c'est juste que tu regardes mal. Gout-Salbirk. Ah, il y avait un Moyo aussi en face. Timber! Pourquoi tu... Qu'est-ce que c'est que cette référence? Timber, bah, c'est les bûcherons quand ils coupent un arbre, ils crient Timber pour Oui, je sais. s'écarter. Et il y a un joueur qui s'appelle Timber, c'est tout. Le bûcheron du lac. Justin Bûcheron du lac. Justin Timberlake. Je me disais bien que tu l'avais pas là. Sorti. Ah Moyo. Mérite rien, tu vois. En péno. Non. Non. Oh le harcèlement salty. Oh! Qui le tire? Ibrahima, il est sorti. Qui va le tirer? Nicolas Martin aussi. Qui va le Oh tirer? le RC Scriptalti. Je sais pas qui le tire, je sais pas qui le tire. Ah, c'est Roby, oui, ça va, ça va, ça va. Oh le Oui, RC. fils de pute! Oh le RC Oui, fils Script. de pute! Le RC Script. Oh là là. Le mec, Pourquoi tu... ça fait deux fois qu'il se prend des rouges, qu'il est mené, finalement il égalise, non mais. Et tu vas voir que C'est la l'Ajax va force des marquer, il grandes va égaliser équipes. à la 97e. C'est la force des grandes équipes. Quand même eu deux pénaux dans le match. Hello? Pour son premier match! Pour son premier match professionnel! Il vient de rentrer il y a 10 minutes! Le jeune du centre de formation! Qui alors qu'il ne connaissait aucune minute de professionnel! Il vient marquer son premier but de sa carrière en Ligue des Champions! Yannis Youssef! C'est du grand n'importe quoi. Hein. Mais j'espère que t'es conscient quand même hein, de cette fraude. Hein. Après j'ai fait plein de changements tactiques. Hein. Oui, t'as fait plein de changements tactiques, mais bon, vous avez eu deux occasions là. Dont un péno manqué. C'est-à-dire que là, sur vos trois tirs cadrés, il y a le péno raté, puis le but sur péno. Hein. À 10 contre 11. Steven Gerrard, c'est faux, c'est pas lui. S'il sort de sa retraite. Wesh. Ouf.
Voilà. C'était osé. Non, non, non. Fais péno, fais péno, fais péno, on s'en fout. Quoi? On en est arrivé là. Il va gagner son match contre Non, l'Ajax, non, qu'elle non, n'est non, pas non, perdue. À 10 contre, arrêtez! à 10 contre 11. Non mais ça fait deux matchs que tu fais un contre-script. Genre c'est pas normal, t'en as conscience. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, et même le match nul est un vol, hein. Non, le péno, il y a péno. Oui, non mais il y a péno, mais oui, mais t'es pas censé te gagner le match, t'es bien conscient. Oh là là là, et voilà, l'échange équivalent qui fait que je vais perdre mon match. En dominant. Non, 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 pas la dernière. Non mais le nul est une victoire. Hein. Non, non, non. Ah Là, si, va falloir dans prendre la ces victoire. situations-là, le nul est une victoire, hein, vraiment. À 15, à 15 secondes de la fin, ça ne l'est plus. C'est une honte, mais t'en as conscience quand même, hein. Mais bien sûr, j'en ai conscience, attends, c'est un vol ce match, Non, hein. parce que là, il s'élève comme un fou, mais ça fait quand même deux matchs d'affilée. Oui! Oui, monsieur! Les 3 points en Ligue des Champions! C'était même pas Oui, la à... C'était même oui, pas à la 10 contre95e. 11! Oui, à 10 contre 11! C'était même pas la 95e. L'arbitre, il a sifflé avant la fin du temps additionnel. Là, c'est encore ça. Chalalalalala! Monsieur l'arbitre, vous êtes bien le meilleur! Surtout où le terrain! La Oh la la la! là Oh les Oh là Oh là! là là! Mais qu'est-ce qui Mais s'est qu'est-ce qui s'est passé? On passé? les On a les bien a volés! chipotés! Ah, oh. Oh les Oh bah tu chantes plus? Là, là. Suis en train de parler aux joueurs. Ah pardon, excuse-moi. Je suis en train de sucer les 10 joueurs restants. T'as insulté le dernier. Antoine, Pop, hop, hop, tu viens là? fessé. Alors oui, t'es jeune, mais bon, regarde l'autre jeune, il a marqué, lui. Lui, il a joué au moins. Ah, t'as vu? Il a Mais joué par moins contre, longtemps est-ce que qu'on toi, il en a été plus parle? décisif, hein? Est-ce qu'on en parle qu'à chaque fois dans ce club-là, il y a un coup du destin à chaque fois? Ah, j'appelle pas ça le destin, hein. Soit c'est de la sorcellerie. Ça, c'est du triche. J'ai changé les lignes de code. Ouais, bah je pense que c'est un peu des deux. Parce que les deux Et sont du vrais. coup, on est en tête de la poule. Let's go! C'est un vol incroyable, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Je sais pas quoi. Oh là là, trois équipes à 6 points et Fribourg. Oh non, les jeunes ont perdu contre l'Ajax. Non. Bah fallait bien qu'il y ait une des deux équipes qui perdent quand même au bout. Aïe aïe aïe. Et bien sûr que je confirme son amende, bien évidemment. Non, je la retire. On a gagné, je la retire. Tout est pardonné. Tout est bien fini. Ah, c'est la Johan Cruyff Arena, pardon, c'est pas le Johan Cruyff Stadium. Ah non, non, c'est la Johan Cruyff Arena. Arena. Non, mais on en parle que vraiment, Yanis Youssef, genre, c'est l'un de ces nombreux joueurs de Lens qui ont la chance, par un concours de circonstances, de choper ses premières minutes en professionnel et qui, malgré tout, malgré la pression, réussit à marquer un but. Et là, sa valeur, elle a grimpé, hein. Ah bah là c'est un but, mais tu te rends pas compte de l'importance de ce but là, c'est-à-dire que... Ah bah si, je me rends bien compte, si. Ah ouais, avec le scénario, le 10 contre 11, le fait que Moukoko soit blessé, qu'il rentre à la place de Baldé... Le 10 contre 11 est hors du scénario. Non mais le 10 contre 11 et Moukoko qui est blessé juste avant, du coup c'est Baldé qui joue, mais Baldé fait un mauvais match, donc c'est lui qui rentre, qui a été mis sur le banc. Le gars, t'imagines, il a quoi? Il a quel âge, Youssef, là? Parce que 20 pour moi, ans, il avait il a 17 20 ans, ans. il a 20 ans. Il a 20 ans déjà? Ouais. Non mais je voulais pas te le dire pour pas briser un peu ton truc, mais il a 20 ans. En tout cas, c'est encore un fruit Qui commence un du petit peu notre... à ne plus trop être mûr, mais Bon, ouais, mais c'est un fruit de notre centre de formation. On est fiers de lui, tu vois. voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le garde en tant que dans l'équipe pour faire tourner et que je ne l'ai pas vendu, contrairement aux autres jeunes. Et le gars, première minute en pro, c'est même pas à domicile, c'est même pas dans un match de championnat, c'est en Non, Ligue des non, Champions non. direct là. T'as dit trop long? Non, j'ai dit non, non, non. Ah oui, d'accord.
Trop long, ta gueule. ta gueule, on s'en fout. Putain, c'est beau. Je dois te dire, tu vois, t'as dit trop long y a là. Des choses que, il y a des choses, tu vois, de certains joueurs dont je me souviendrai à jamais parce qu'ils ont fait une action, tu vois. Genre, Baldé Dantoum. contre le Bayern. Baldé, non, mais tu vois, moi, tiens, dans ma vie, Moi, je me souviens que de ça. tu Mais je suis retiens, à tu vois, 17h45! wow, bah, tu vois, t'as tous les droits TV. Ah, super! Super, j'ai moins de temps pour me reposer aussi. Tu vois, les Français, ils quittent leur boulot, ils te regardent. Tu vois, Non, c'est ça qui est vraiment beau. pas. Parce qu'après, le soir, il y avait. Tu aurais du mal à avoir de les gens sur ton match. Hein. Parce que Ouais. quand je vois Arsenal PSG et Milan Lyon, je me dis bon bah que peut-être que les gens risquent le match de Strasbourg, quoi. Je sais pas pourquoi. Il n'y a aucun lien entre tout ça. Ah. Et prenez-vous des cartons rouges, hein, les gars, si on a des contre-scripts à chaque fois, ça me va. Ça peut-être pas marcher à Hein. chaque fois. Enfin, j'espère, parce que là, au bout d'un moment, ça va devenir long, là. Ah, je leur ai dit que je voulais une victoire aujourd'hui. Ils ont pas changé d'attitude. Elle est toujours positive. En tout cas, la pause de 3 minutes pendant le match aura servi à quelque chose. La pause de 3 minutes pour le match. Ouais, parce que j'ai fait une grosse pause pour Ah faire oui, plein c'est de vrai. changements tactiques et j'ai tout changé. Ah, c'était ça que tu faisais, d'accord. Ah, j'ai tout changé. J'ai tout changé. La formation, la mentalité, la manière de jouer et tout. J'ai tout modifié. T'es passé en offensif T'as ou en vu? défensif du coup? Je suis passé en offensif. J'ai Ok. porté mes coups, je me suis dit que ça allait les surprendre, au contraire que Ah bah qu'ils ça. s'attendaient à ce que je joue bas parce qu'on était à 10 et qu'on était mené. Ça a marché. Mais du coup, je me suis dit, bah, je vais les surprendre et jouer sur. Attention, pas dès la première action, pas. Voilà, c'est bien. Voilà. T'as vu, c'est Pep Guardiola, le coach de Leipzig. Oui. Ça fait quelque temps, je crois d'ailleurs. Oui, ça fait quelques années déjà. Ce Pep. 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 C'est quand même terrible de se dire que les pratiquement deux des trois meilleurs coachs en Angleterre, là, c'est des Espagnols, qui ont du coup tous les deux un accent Ah oui, un peu quelques. bizarre quand ils parlent en anglais. Aïe aïe aïe, aïe aïe, Et oh. Chetine, bien joué. Il m'a pas fait une. Il m'a pas fait une. Ah! Genre, t'en as un qui est en mode He's a great player. Fantastic player. It's fantastic. It's like he's really doing. Bah, le but, il est pas là, hein, gars, faut t'acheter des Je vais lunettes. pas Hein. trop me moquer parce que je sens que Ouais. ça va être un match pas facile. When he's playing like that, it's impossible to stop him. Et t'as l'autre qui, pendant ce moment-là, it's really incredible. He's controlling the ball like really good. And this is the most important for us is to win the second game against Mais Liverpool. posez le jeu! Changement tactique. Non, je regardais si j'avais pas mis Jouer plus en court. hyper élevé, mais non, ça va, je suis juste en élevé. Oh là là! Ah là là, pour le coup, le gardien ne peut rien faire. Mais on est catastrophique! Putain! On a super bien géré le début de saison et là, je sais pas, c'est la Ligue des Champions. Ah les gars! Si on arrêtait de jouer. Le classement du groupe, de ton groupe, Il n'y a il est aucun sens. infernal. Bon, après, tu vas me dire, moi non plus, c'est pas bon, mais tiens, c'est encore pire parce que t'as le Shakhtar qui fait parmi les premiers. Le Shakhtar l'année dernière. Oh. Oh là là, Oh! c'était. Oh la Quelle combinaison! arrache! Ah ouais, non, là, c'est fou. Là, le gardien, il a. Il a cassé les couilles. Non, mais il faut le dire des fois contre le. Se dire que le Shakhtar l'année dernière, on leur met 3-0, 7-0. Et que là, ils sont premiers du groupe. Et que vous êtes la seule équipe qu'ils n'ont pas battue. Pour l'instant. Pour l'instant. Coucou Liverpool! And we live! Alone. 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 Liverpool ou Dortmund? Non mais pas en tant que ambiance du match, pas. Ah, Dortmund quand même. Ok.
Non, parce que je sais que t'allais répondre Dortmund. Je mets n'importe quel club à côté de Liverpool, tu dis l'autre club. Laval ou C'est comme Dortmund? moi si tu me demandes si tu. Ah! Non bah. Liverpool à Laval, tu choisis Liverpool. Non. Non bah non, ça va, on va se calmer. C'est comme moi si tu mets Marseille contre un autre club. Bon bah voilà, je choisis à chaque fois l'autre club. Hein. Je vais à chaque fois Marseille, hein? Ah Oh, il est hors jeu, il est hors jeu. oui. Le croqueur. Le RB Adeyemi, toujours. Hein. Oui! Oh là là, la Oui, passe! J'ai Pecco! vu. Oui, Pecco! Oh, je l'ai. J'ai tellement vu l'appel, je me suis dit, oh la passe. Oui, Pecco, c'est bien! Comment on pourrait commenter ça de manière un peu comme les commentateurs de Canal Plus et d'InSport qui sont extraordinaires à chaque fois, bravo à vous. Non. Quoi? Non, on fait pas une imitation. Non, je faisais pas une imitation, genre juste un commentaire. Strasbourg est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Non. Strasbourg n'a pas dit son dernier mot. Pecco lance l'alerte. Tel un cheval de guerre. Je sais pas, des fois ils font toujours des métaphores. Du coup, c'était une comparaison là. Tiens, j'ai pas dit comme. T'as Oui, j'ai tel. dit tel. Ouais. Matisse. Oh là là. Non, mais c'est à chaque fois les commentateurs de Minsport, ils sont trop forts. C'était quel commentaire que je t'avais montré la dernière fois? Non, c'est pas toi que j'ai montré, c'est un mec du taf. C'est le commentateur d'Arsenal, je trouve, qui est trop fort dans ça. Oh! Ça va. Ouf, ça va. Ah bah. Parce que je trouve que le Jean-Charles Sabatier pour la Bundes, Ah, il est incroyable. tu sens que le gars vit le truc. Et je trouve que quand c'est le commentateur d'Arsenal, d'habitude c'est le commentateur d'Arsenal, je trouve que quand il y a un but, il raconte une histoire. Ouais, clairement. Parce que c'était. Ouais, c'était justement, il n'avait pas commenté Arsenal parce que justement, il y avait le Manchester Derby. Et Rashford, il avait dit d'une frappe somptueuse, d'une frappe limpide, les Reds. Il avait fait un truc avec le diable ou un truc du genre. Le Et diable, derrière. ouais, le diable s'est réveillé ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Et puis derrière, pour quand c'était Manchester City, c'était à peu près la même chose. Et c'était Manchester. genre le petit prince de City ou un truc du genre. Et j'étais en mode putain, mais le mec te raconte des histoires à chaque but. Je sais pas. Est-ce que tu vois, je me dis ce genre de truc. Est-ce qu'ils les écrivent? Non, je pense Parce pas. qu'il y a certains commentateurs qui avouaient que si certains joueurs marquaient d'une certaine manière. Oula! Ou bas. Ou bas. C'est ce que j'allais dire. Il y a certains commentateurs qui te disaient ouais que quand certains joueurs marquaient, bah, qu'ils écrivaient certaines lignes parce qu'ils trouvaient que ça faisait beau de le dire ou Ouais. un truc du genre, tu vois. Bah, je pense que ça va être un mix des deux, hein. C'est comme un match de 90 minutes, voilà, t'as les commentateurs, ils ont prévu certains sujets dont débattre pendant le match quand il y a des moments creux, etc. Tu vois. Il a tout son script. Mais je me dis, est-ce que ces Oh, lignes-là, tu dommage. vois, je me dis, est-ce que le mec, dans tous les cas, il est très fort, tu vois, mais soit le mec les écrit et du coup il est très fort parce que bah faut quand même avoir l'imagination et la créativité pour pouvoir écrire ce genre de ligne. Ou alors le gars, là, c'est ça qui rend le truc encore plus fort, c'est que le gars, ça lui vient instinctivement, quoi. Je pense que ouais, ça peut être sans doute un mix des deux en vrai. Ah oh! Il a peut-être Ça passe bien un champ revu. lexical de préparer ou un truc comme ça, tu vois. Et après, il ajuste selon le Il truc. ajuste par rapport à l'action, la frappe, le but. Par exemple, tu vois, il y avait le match, je sais pas si t'as vu le replay du match Marseille-Villarreal. Quel tollé d'ailleurs, les Marseillais vont vraiment, je suis surpris. Ouais, moi Alors, aussi. je sais pas, parce que pour moi, Villarreal a pas si mal joué. Je suis vraiment surpris de la domination marseillaise. Les Marseillais jouaient mieux ces derniers temps. Ils ont vraiment eu un moment creux, les Marseillais, où pendant 5-6 matchs, ils n'arrivaient plus du tout à jouer. Et je suis vraiment surpris parce que les Marseillais rejouaient bien, mais je ne les voyais pas jouer aussi bien. Je suis très surpris. Franchement, c'est étonnant. Ouais. Après, Et du coup, je sais pas si t'as. je pense pas que ce soit un effet.
changement d'entraîneur ou quoi que ce soit. Enfin, je Non, prends. non, je pense vraiment que là, il y a eu Il y a un un. second souffle, quoi. Mais en tout cas, ouais, je sais pas si t'as vu du coup le replay sur du match, le résumé sur Canal+. Ouais. Mais le commentateur, là, je trouve qu'il en faisait trop. Ouais, Genre. oui, ouais. Alors, oui, tu sens que le mec, il est supporter marseillais, ce qui est bien. Je préfère, moi, qu'un commentateur, il est un pris parti pour la France. Parce que Ah non, moi. justement. Ah ouais, toi t'aimes pas? Moi je préfère parce que justement t'es plus dans le truc et tu ressens plus là, le côté on est français, on est tous derrière les clubs français, tu vois. Ouais, mais faut que ce soit bien jaugé quoi, parce que parfois c'est trop. Oui, faut pas que ce soit trop. Genre les mecs de Canal+, je trouve qu'ils font ça bien pour le PSG. C'était un beau tir. Hein. Genre tu sens que quand l'équipe adverse du PSG marque, bon bah ils sont un peu dépités, mais ils Mais restent voilà. dans l'histoire du match et tout, tu vois. Donc ils le font bien. Bah il est hors jeu, il est Il y hors a jeu. hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Y a full hors jeu. Y a pas hors jeu? Ah ouais? Alors là, on va pas le voir. Ah si. Oh ah ouais, il est couvert. Allez, Putain. je crois que c'est le 2. Je crois que c'est Ah c'est Agostini qui le Magliano qui couvre. couvre. Ah, Oh le 2, non. c'est. Ah oui. Oh non. Putain. Le match, il est vachement serré, hein, Mais par comment contre. il est tout seul comme ça? Je sais pas. Et tous mes matchs sont serrés en ce moment, c'est une horreur. Non mais là pour le coup, non mais contrairement à Lyon, là je trouve que le match il est vachement Ouais. intéressant à suivre là. Parce que depuis tout à l'heure je parle par-dessus d'autres sujets mais je suis à fond dedans. Je crois que je fais ça pour me déstresser en fait. Tu sais que j'ai l'écharpe de Strasbourg hein, autour de moi là. Bah, moi aussi. Putain, on va perdre encore. Bah là, c'est mort, hein. Je sais pas si Liverpool gagne contre le Shakhtar, t'as encore une chance. Parce Bon, que il va du coup, falloir gérer la phase retour, quoi. t'as les deux clubs qui sont à 4 points, t'auras juste à gagner contre le Shakhtar et Leipzig. Moi, j'ai réussi chez Liverpool à jouer à domicile. Liverpool en soi, c'est pas grave si tu perds. Oh! Ouais. Dommage. Liverpool, c'est pas grave si tu perds, faut gagner par contre contre le Shakhtar et Leipzig, t'as pas le Ouais. choix. Alors, gardien, il a fait un Et bon match, hein. faut espérer que Liverpool domine la poule là maintenant. C'est pas un mauvais jeu de mots, je te jure, c'est pas un mauvais jeu de mots, je te jure. Je te jure. Je te jure, je l'ai pas fait exprès. Aïe 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 aïe, c'est dommage ça. Je pense fort à une phrase, mais je peux pas la dire. C'est décevant, c'est. Non, ça va contre mes opinions. Ok. Ah, tu joues le PSG là? Oui. Non, mais c'est une horreur. Je fais PSG Live 6 OM. En plus, ça te fait comme avec Lyon, les deux ont joué le match de Ligue des Champions là. Et mes jeunes ont gagné. Bon, après, le PSG a joué Arsenal. Hein, donc. Ah oui, non, mais oui, ça. Là, pour le coup, c'est comme avec Lyon. Alors, Liverpool a bon, gagné. bah, dis donc. Et Arsenal a gagné. Ouais. Et Milan a gagné. T'es la seule équipe à avoir gagné. Putain. Ouais, en vrai, t'as encore moyen. T'as encore moyen. Parce que du coup, vu que le Shakhtar a perdu là. Ils perdent qu'un 0 hein, à Mais Anfield. c'est Hein. une horreur, hein, le Shakhtar cette saison, j'ai l'impression. Putain, il y a toujours Timothée Pembélé. On rappelle, hein, Timothée Pembélé qui était chez moi à l'époque. Hein. Bien sûr. Que t'avais recruté au PSG, je crois. Exactement. En prêt avec option d'achat. Et je joue à Paris. Ouais, je joue à Paris. Mais je joue tous mes matchs à l'extérieur, c'est une horreur. Après, faut te dire que dans quelques temps, du coup, tu auras que tous tes matchs à domicile. Hein. Oui, mais bon, c'est le Parce que moment du coup, là, tu vas commencer à avoir les matchs de l'EDC chez toi. Bah là, je vais avoir l'AFC chez Liverpool chez moi, quoi. Et vu comment ça s'est passé contre les deux, il y a moyen de faire un truc, quoi. Ça, il était vraiment serré le match, quoi, putain. Dimitri Payet, je suis à la disposition de l'équipe de France pour disputer les Jeux Olympiques. Ouais, mais on veut pas. On veut pas. On veut Griezmann, Mbappé, Varane, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Oh, lui.
Lloris. C'est trop marrant. Il y avait c'est trop marrant. En gros, il y a eu un petit record de la part de quel mon fils là. Il y a l'ATP 1000. Le Barcelone en tête de la formation en Ligue 1. Ouais, j'ai vu ça, ouais. En même temps, déjà, t'as tous mes joueurs de chez moi qui viennent de chez moi, déjà. Ça commence déjà bien. Et Baldé, hein, Baldé en tête d'affiche. C'est vrai que... Mais... Ah, ils considèrent déjà que Yılmaz a été formé chez moi, genre. C'est vrai que Demba Touré joue à Toulouse. Il vient de chez moi, je m'en souviens. Daniel Pauroy à Saint-Etienne. Albert Reynoux, c'est vrai qu'il est à Brest. Ouais. Et ouais, en gros, il y a le début là, de l'ATP 1000. Le premier ATP 1000 de la saison, du coup, je crois. À Indian Wells. Il me semble que c'est le premier de la saison. Je vais pas me dire pourquoi on joue pas dimanche, putain. Je sais pas. Parce que, ok, le PSG a joué en même temps que nous et tout. Mais eux, ils ont un effectif qui est plus profond pour faire tourner, quoi. Bah après, 2 jours de repos, c'est le minimum requis. Hein. Pas de... Après, il n'y a pas de... Y a pas de règlement en soi. Oui, mais bon, pas arrangé, quoi. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu Brest. Ce qui s'est passé avec Lille. Parce pas que du Lille, tout. Lille, bah là, du coup, ils ont joué contre Sturm Graz. Ils vont jouer Ouais. contre Rennes, il me semble, à Ouais. domicile. Et la semaine prochaine, ils rejouent contre Sturm Graz. Et dimanche, 13h, ils jouent contre Brest, à Brest. Ok. Donc le deuxième contre le quatrième, donc gros gros match. Gros combat, tu vois. Et donc ils ont demandé à décaler le match à 19h pour avoir un peu plus de repos par rapport à leur match de Ligue Europa Conférence. Ouais. Amazon était d'accord, la LFP était d'accord. Et du coup, bah, ils ont demandé à Brest, et Brest a dit non. Parce que ils ont des activités prévues avant le match, des trucs comme ça, des intervenants, et donc ils sont déjà engagés là-dessus, sur leur présence Ah et tout, oui. et donc du Ah coup oui, ils peuvent pas d'accord. annuler. Oui, bah là je trouve ça. Bon, après du coup, si Lille gagne... Oupsi! Mais compréhensible de la part des deux. Ouais, voilà. Lille, normal, tu joues le jeudi soir, t'as pas envie forcément de rejouer le dimanche matin. Maintenant, oui, bah c'est compréhensible pour Brest parce que bah ils avaient des. Bon, je suis totalement d'accord. C'est des associations, etc. Évidemment, c'est plus complexe pour les assos Même si je de suis un décaler ce peu genre en de choses. mode, bah, ouais, bon. Après, c'est Lille auquel je dis, mais j'ai un peu envie de dire c'est leur problème, quoi. Enfin, ils sont pas obligés de décaler, hein, à Brest, hein. Ils sont en mode, bah, Non, bien c'est le sûr. calendrier Après, qui prévoit comme ça, hein. qu'ils ne tentent rien à rien, tu vois, je Oui. pense qu'ils ont eu raison quand même Bah, de toute façon, tout le de monde était demander. d'accord. Et même Amazon, ça les arrangeait un peu. Parce que vu l'affiche que c'est, le mettre plus tard à 19h, ça les arrangeait plutôt qu'à 13h, quoi. Oui, ouais. Ça commence quand les qualifs? 18h? C'est à 18? Ok. Je pense. C'est À pas. reconfirmer, mais pour moi, déjà, là, il y a les essais libres en ce moment, je Ouais. crois, mais. Qualif, 18h, ouais. Il est fort. M'informe, je m'informe. Ouais, je suis un peu au courant des Oui, choses. c'est bien le premier ATP 1000, du coup, je suis allé vérifier de la Ok. saison à Indian Wells, là, aux États-Unis. Et du coup, il y a Gaël Monfils qui jouait son premier tour contre Daniel Altmaier, il me semble. Ok. Je sais pas, mytho. L'Allemand, du coup. Ou alors, non, je crois que c'est déjà son second tour qu'il jouait là, contre Max Purcell, l'Australien. Et il s'est passé un truc de fou, c'est que, bah, du coup, Gaël Monfils a forcément un moment servi dans le match. Ouais. Et bah, c'est simple, hein, à un moment, il a gagné 6-1, 6-2, déjà, premièrement. Donc, Ok. belle victoire. Il va jouer Berrurkats au prochain tour, le Polonais. Et bah, il a gagné un de ses jeux en 45 secondes chrono. Ah ouais. C'est-à-dire que le gars a servi 4 fois, 3 aces et un service gagnant. Ah donc il y a quand même eu un qui s'est joué, quoi. Oui. Enfin, qui s'est joué. Ouais, voilà, Il a c'est re tenté de retourner retour, la il a remis balle. et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Mais attends, mais ça a fait combien au final?
De quoi le Au final, le score final, genre? 6-1, 6-2, je Ah t'ai oui, dit. ouais, voilà. Et ouais, c'est ce que je te dis, c'est que bah, il a gagné son jeu en 45 secondes, donc faut prendre en compte que tu as le moment où il fait rebondir la balle. À chaque fois, il se reconcentre et tout. Donc c'est-à-dire que vraiment, il a expulsé machin, quoi. Ah Le ouais. machin, quoi. Mais quand tu te prends un jeu comme ça, franchement, t'as plus d'espoir. T'abandonnes. Et on attend avec impatience l'entrée de Hugo Humbert qui ressort d'une victoire sur son ATP. Allez, on y va. Contre le PSG, on n'a jamais gagné chez eux. L'objectif, c'est nul au mieux. Un petit nul. Ouais, au mieux, hein. Ce serait Parce que vu bien. comment nos joueurs sont crevés, je sais même pas. Après, je sais pas, est-ce que le PSG, ils ont mis une équipe. Ça a fait tourner, mais les joueurs sont plus en forme que les nôtres, quoi. Ça a fait tout. Il y a Bah, du brawl à Londres. vu l'état physique des joueurs, j'ai l'impression que ça a fait tourner pour pas mal d'entre eux. Bon, par contre, ça s'est bien joué. C'est dommage. Parce que il y a du à Londres, il y a du brawl. Ouais, bah oui, mais c'est ceux qui sont les plus fatigués, tu vois. Ils sont un peu dans le même état que la majeure partie de notre équipe. Oh, la touche. Putain. Oh là là, mais on doit pas perdre la balle sur une touche comme ça. Zolis. Makengo. Eric. Ouf. Allez, Alan. Oui, Alan! Oh Bien oui! joué! Oh le forceur. Bah, tu vois, j'ai hésité à faire jouer Figueroa parce que je me suis dit, Alan, il est fatigué en ce moment, il marque pas trop. Bah, j'ai bien fait de mettre Alan. Il y répond dans les grands matchs. Ça doit être comme Moukoko, il aime pas les gros matchs. Ouais, bah, on attend son premier but en LDC parce que pour l'instant, il a pas marqué. Hein. Il a pas marqué en lycée? Pas encore. Mais la saison dernière, il l'a fait, je Ouais. pense. Ouais. Mais là, il a du mal. En ce début de saison, il a un peu de mal, je trouve. Après, si c'est à la fin de la saison qu'il est performant. On va voir ça. Au moins, il joue. Oui, voilà. Et déjà, rien que le fait de jouer, ça. C'est un petit plus. Voilà. Mentalement, tu te mets bien. Tes défenseurs, ils ont déjà 7 de moyenne. Hein. Je sais pas comment le PSG attaque parce qu'ils ont qu'un tir, mais je pense qu'ils doivent bien dominer le PSG. Hein. Oh là là! Mais Mais on qu'est-ce qui se défend bien passe? et on attaque bien. Attends, parce qu'on le connaît, Ah, mais hein. je. J'ai déjà mené Ah, mais bien 2-0 au parc, sûr! hein. Ah non, mais c'est le PSG, bien sûr, mais c'est que. On s'y attendait pas là. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que j'ai jamais gagné au parc, mais j'ai déjà mené 2 ou 3-0 au parc. Non, mais ça c'est. Non, mais là c'est déjà une victoire. Et pourtant, Là, c'est c'est. Donnarumma, parce qu'en général, quand je fais des scores comme ça contre le PSG, c'est pas Donnarumma, hein, dans les cages. Ouais. Un petit Farinhez, un petit. Ouais, là, j'ai eu du bon gros gardien B. Oh, allez. Oh, non, dommage. Oh, dommage. Pour ça que t'auras jamais le ballon d'or. Allez, voilà, ça c'est renvoyé. C'est bon. Ah, il y a 60% de possession pour le PSG. Je pense que le PSG doit beaucoup attaquer, mais du coup, la défense est solide. Y a pas péno. Alors, c'est pas péno, je pense pas. C'est pas rouge non plus, je pense pas. Un jaune. Ok, jaune, ouais, jaune, c'est mérité, je pense. Y'a rien. Y a rien, bon. Y'a même pas faute. 6m50. Wouh! Ouf! Putain! Plutôt! Rennes a battu Clermont, attention! Ouais, c'est ce que je voyais. Et Nice a battu Paris FC. Est-ce que tu penses que les Paris c'est comme les deux Olympiques? Oh po 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 po! C'est-à-dire? Le banger! Il y a quand il y a un pari qui va bien, il y en a un qui va pas bien. Bah là, il n'y en a jamais eu un seul qui a pas été. Enfin, le PSG a toujours été bien, donc. Ouais. Bah, oublie cette théorie. Et bah, allez. On voit l'engagement pile après le but. On va s'en prendre un Si, ça deuxième, là. arrive, ça. Ça arrive. On va s'en prendre un deuxième. Ou alors. On va s'en prendre un deuxième. C'est attirer le karma. D'accord. Merci de paniquer mes Genre étoiles. là, il n'y a jamais vu. Ouais.
Là, ça c'est le genre d'action, c'est impossible qu'il bute là-dessus. Oh! C'était presque but. Et du coup, c'est. J'ai pas envie de dire, mais. C'est pas Tu trop regarderas mal. le classement du championnat. Tu Oui, regarderas le oui, classement du non, mais je championnat l'ai et. regardé, j'ai rien voulu dire. Ok, je l'ai regardé, j'ai eu flou. J'ai pas vu flou, mais je me suis dit, ok, on dit rien. Mais c'est impossible qu'on gagne. Tu regardes la forme de nos joueurs, c'est impossible qu'on gagne, vraiment, c'est mort. Là, non, là vraiment, c'est pas pour attirer le karma ni rien, c'est impossible. Non, mais je t'entends. On sera content d'avoir mis deux buts au PSG, quoi. C'est-à-dire que si tu perds là maintenant, tu trouverais ça toujours logique? Je sais pas. Bah quand je vois qu'on a eu quand même beaucoup plus d'action, mais il faudra voir le deuxième mi-temps quoi. Après, pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on ait raté vraiment beaucoup d'énormes occasions, genre tu vois ça aurait pu être le troisième but quoi. Les buts qu'on a mis on les a mis parce qu'on devait les mettre, tu vois, mais il n'y a pas eu un truc où on se dit ah là. En tout cas, si le résultat reste ainsi, je connais le titre du live. Il changera pas le titre de toute façon. Oui, enfin de la VOD plutôt. Ouais, je pense que je laisserai le titre du live. Ok. Genre, pas un petit la première victoire au parc, point d'interrogation? Ça peut se négocier. On va pas tarder à faire les premiers Corner! changements. Oh, je m'attendais pas à ça. Ah, Mason Je Mount. pensais pas que j'allais dire cette phrase un jour dans ma vie, mais je vais la dire. J'ai hâte que ce soit la fin des vacances. Ah. Ah Faites beaucoup de monde. ouais. Bah encore hier Oh ça allait, je flou. trouve. Hier, ça a été franchement tranquille. Pourtant, on a fait 110 couverts, je crois. Ah ouais? Mais on les a pas, on les, ouais, mais on les a pas sentis. Ouais, c'était bien étalé, genre. Et vraiment, hier soir, on s'est tous dit, bah putain, c'était simple, on a dû faire quoi, 80, 90, on regarde 110. Mais là, pour le coup, c'est la première fois depuis 2 semaines que on a trouvé ça simple. Ok, hors jeu ça. Ok, pas hors jeu. Alors, par jeu, laisse le joue. Oh! Culé! Al-Qaïd. Allez, une bombe. Tu t'y connais bien. Allô? Oh. Bon alors, j'ai 5 joueurs qui sont complètement crevés. Mais 3 changements. Pique-nidouille. Pique-nidouille, c'est toi l'andouille. Et je laisse mon troisième changement s'il y a une blessure. Bien vu, ça c'est bien joué stratégiquement ça. T'as que 2 points de moins que moi de base? J'ai 3 nuls, c'est pour ça. Ah ouais. Allez, moi j'ai 2 nuls. Par contre, t'as une défaite en plus. Allez, c'est ça. Non. Non. J'ai une. Non. On a autant de défaites. Non, j'ai une victoire. On a autant de défaites, j'ai une victoire en plus et toi t'as un match nul en plus. Voilà. D'où la différence de 2 points, c'est ça? Ouais. Ok. C'est exactement ça. Tu les as pris ton petit, t'es nul. Mais nul. Bordeaux, Clermont. Je sais plus. Ah, et t'as perdu contre Lyon, c'est ça. Ouais. Okay. Oh, ça va. Non, ça aurait pu être pire. Moi, il y avait mieux à faire, mais ça aurait pu être pire, sur le papier. Il n'y a pas ma cam, mais vraiment, genre, je voyais l'action se construire. Je disais putain, elle est longue quand même cette action là. Et genre, vraiment, mes yeux ils commençaient à s'écarquiller de plus en plus quand je voyais qu'on se rapprochait du but. Alors, c'est le moment de mettre. Gagner du temps, je fais plus court, tacler plus durement. Attends, déjà, on fait un changement. Alors, c'est faux, hein. Ne fais pas ça, ça va les perturber. Mais voilà, un vrai entraîneur dans la vraie vie dit tout ça. Ah, on se le prend là. Et on se prend le but à la 92e de Haaland. Ah ouais, tu.
Je connais le jeu. On se le prend un peu après. Bon, Genre là. j'attends. Genre un peu après. Ok, j'attends, j'attends. Là, il relance dans Haaland. Qui fait une tête du milieu de terrain. Qui lobe. J'ai pas mis gagner du temps, hein, je promets. Ah non, mais non, mais parce que je vois que ça commence à faire des passes vers la défense. Construire dans la défense. Je fais plus court. Oh, il est rouge! Ouais, c'est... La contre-attaque. Clac, clac, ouais, clac. Mbappé contre Lille, là. Mbappé contre Lille, y a plus de gardien, il fonce tout droit vers les buts. Et bah voilà, il va se passer ça. Bon. Là, il va se le passer. Là! Récup. On se prend tout. On se prend Paris, tout. Il reste plus beaucoup de temps. On fait tous les deux des contre-scripts. Paris, il reste plus beaucoup de temps. Là, là, c'est bientôt la honte. Hein. Le Fergie Time, comment ça la honte? Oh, oh! Oh! On gagne au parc! Oh! On gagne au parc! On gagne au parc dans un moment de. Oh, c'était tragique ce qui se passait! En ce moment, on avait du mal, on galérait et on gagne au parc. Ratelin, on s'en fout. Oui! En pleine lucarne. 3 contre le PSG, oh là là. Au parc! Félicitations, alors là. Et c'est pas volé, alors hein. Là. C'est pas un vol, hein. Ah, c'est pas. Ah, j'ai... Qui a dit que c'était un vol? Ah oui, non, mais oui, mais ça aurait pu, tu vois. Ok, ils ont la possession, mais on a toutes les actions. Et là, je peux te dire, tu parles au spécialiste du vol de ce dernier mois. Et je pense que c'est pas un vol, franchement. Mais je félicite avec le sourire. Moi, je rajoute même une lettre et je fais passer ça en viol. Non. Voilà. Non. Ah non. Je rajoute quelques centimètres et je rajoute destruction massive. Plus aucune lettre. Oh là là. Incroyable. Première défaite du PSG en Ligue 1, c'est contre moi. Et première victoire au parc en 14 ans. C'est vrai que... Pourtant on avait eu les occasions hein, de les battre un PSG. Pas. Oh, j'imagine déjà les titres de journaux. Défaite du PSG. Comme d'hab, hein, ça parle pas de victoire de l'Orne de Strasbourg. Non, là, ça va mettre du spectacle au Roazhon Park. Hein? Ah oui. Non, mais là, c'est sûr, ça va être un truc comme ça. Non, non, je pense que ça va être défaite surprise, parce que j'avais une cote à 4. Hein. Attention. La jeunesse de Strasbourg. Un match mémorable au Roazhon Park. Un match mémorable au Roazhon Park. J'avais 4. J'avais 4. Non, résultat surprise au Parc des Princes. J'ai, moi. Ah bah moi j'ai un match mémorable au Roazhon Park. Ah bah j'ai pas pareil. J'ai pas eu la même. Après moi j'ai la Et le PSG qui n'est plus la meilleure défense de Ligue 1. Eh oui, forcément. Et alors tu as qui toi? Moi j'ai la Provence. Moi j'ai le journal de la Provence, c'est pour ça aussi. Moi j'ai la Provence. La Provence, résultat coup, surprise au parc. Ils font plusieurs journaux pour plusieurs... Bon. Ah mais je suis la meilleure défense aussi. Ah mais toi t'as déjà joué. Et ouais. Connard. Hein? Allô? Allô? Tu joues contre... Ah oui, tu joues contre Sochaux, c'est bon, j'arrête. Tous ils ont pris 30 buts en 10 matchs. Ah oui, du coup là, oh, on a la petite semaine de pause là. Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh, les joueurs vont être posés pour la psych. Oh là là. Non mais là, attends. Mais... Oh là là. Toulouse, ils se sont pris 30 buts en 10 matchs. Mais ils en ont pris 8 contre le PSG, je te rappelle. Hein. Ouais, mais ça, c'est 22 en 10 matchs, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bah, ouais, mais le PSG en avait 30 en 10 matchs aussi hein, de marquer. Genre, ils avaient exactement la différence inverse, ouais, mais je crois. Ça me choque moins dans ce sens-là, tu vois. Oui, ça c'est sûr. PSG a pile poil plus 24 de différence et tout. Puis on surpris par la prestation de Strasbourg. Bah ouais, en vrai, oui. Parce que vu l'état dans lequel étaient nos joueurs, bah, je pense qu'ils ont quand même fait tourner le PSG. Hein. Bah, un petit peu, mais. Bah nous on n'a pas fait tourner, nous vraiment on est parti avec la même équipe quasiment. Un petit peu mais ça les excuse pas. Voilà, moi je dis les termes. Et Haaland n'a même pas joué.
Donc on n'a même pas eu un but d'un ancien du PSG, enfin d'un ancien, d'un joueur du PSG. Voilà. Quelle surprise quand même, c'est. Et ça y est, on est de retour dans l'ère où Pecco et Alan ont autant de buts marqués l'un que l'autre. On est de retour dans cette phase. Bon, les gars, il va falloir choisir, hein. À un moment, bon. Oh là 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 là, mais ça je m'attendais pas. Hein. Ah bah alors là. Je pense que j'avais beaucoup plus de choses auxquelles je m'attendais que la victoire au parc. Parce que je savais qu'on allait finir par gagner au parc, mais dans ces conditions-là. Oh là là. Oh là là, je peux rajouter une ligne à mon palmarès. Hein. Ah oui, toi tu. Ok. Le profil LinkedIn est actualisé, hein, à gagner au parc. Et du coup, on va assister au premier match de la saison pour Florian Châtelain. Oh! J'ai décidé de faire reposer Cédric Bouguenza, parce que je me dis qu'il va jouer le prochain match de LDC. C'est pas une mauvaise idée. Toute façon, j'ai toujours Sofiane, quoi qu'il arrive. Oh, mes joueurs ont besoin de repos là. Ils n'en peuvent plus. Putain, c'est fou quand même de se dire que là, sur les 5 derniers matchs, on a perdu 3, mais je suis plus rassuré par la victoire contre le PSG que affolé par les 3 défaites. Ah bah, souvent, de toute façon, les matchs contre le PSG, quoi qu'il arrive, ça change une saison. Parce que soit tu perds et les joueurs ils se disent putain, on abuse. Et ils recommencent à bien jouer. Soit ils gagnent et ils se disent voilà, suffit de faire comme ça et ils continuent à gagner. Voilà. Parce que là, je commençais à me dire, ouais, bah, je vais faire une réunion tactique après le match, tu vois, si je perds. En fait, le but au calendrier, c'est d'affronter le PSG le plus tôt possible. Ouais. Comme ça, tes joueurs sont conditionnés. Faut que je gagne en général à domicile contre le PSG, je fais des bons trucs ces dernières saisons. Bah, Et ça se là, trouve que tu vas nous faire une Manchester. si je gagne à domicile contre le PSG, je fais une saison sans perdre contre eux. Sauf si y a la Coupe de France. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et attends, parce que. Victoire en Coupe de France, victoire en Ligue des Champions. Et le PSG Strasbourg se retrouve en quart de finale de la Ligue Europa. 6 matchs dans la même saison. Oh là là. Quelle horreur. Metz a J'imagine de la perdu contre Ligue Saint-Étienne, Europa. ça fait plaisir. De quoi? À 10 contre 11, hein. À 10 contre 11. Ah non, Bah, c'est la à la fin du 87e. match. Non, Oui, j'ai si, bien dit en j'ai Ligue entendu que Europa. t'avais dit Ligue Europa, hein, je t'emmerde. Ok, super. T'as 3 équipes à 24 points. Là, Après, il y a faut que tu Lyon gagnes, là, faut que tu gagnes, faut que et. tu gagnes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Lyon et moi, on a toujours pas joué, donc ça. Là, moi, je veux que tu gagnes, comme Le ça, problème, c'est tu qu'en reviens sur le général, quand PSG, le là. J'ai envie PSG là. perd, en général, moi, quand le PSG perd, j'en profite pas derrière. Ouais, mais c'est moi, là. Oh, Châtelain, oh là là. Oh, oh là. Oh, Oh, dommage. toi, dommage. Ouais. Mais oui, en Essaie de général, te rattraper de ton c'est. rouge, toi. En général, c'est. Le PSG perd des points derrière moi quand ils jouent après moi dans le calendrier. Quand je joue après eux et que je sais qu'ils ont perdu, en général, j'arrive pas à bonifier le truc. C'est comme ouais, c'est la séance de tir au but où tu tires en premier quoi. Là, c'est ça. Non, tu tires en deuxième du coup. Du coup, en deuxième, mais. On Oh, s'est il y a peut-être compris. hors-jeu. Pas dommage. Oh, Alors puis peut-être. Brahima. Arrête. Oui, il y a des trucs dont on se souviendra. On se souviendra de. On se souviendra aussi de ce but de 40 mètres de Patrick Berth contre le Ouais, PSG qui nous ouais. offre la première victoire contre le PSG dans l'histoire. Ça, c'est. Moi, Ça, c'est. je me rappelle de ma première victoire contre le PSG. Ouais. Ça, je me rappellerai. Mais c'est fou quand même, putain de. Vraiment, mais on se fait maltraiter dans ce championnat. On se fait tellement maltraiter qu'on se rappelle la première fois qu'on a battu le PSG, quoi. Tu te Ah bah rappelles la première fois c'est. que t'as battu Lyon? Bah moi non plus. Bah non, non, non. Alors que Lyon, c'est quand même fort. Ah ouais, bah. Mais on s'en Oui, rappelle Antoine, pas. le contrôle! Oh dommage! L'oiseau. L'oiseau. Boyo, sachant que Moukoko revient au prochain match, hein, selon les infos. Bon, ça va, là. Ça fait 3 fois que vous faites la même action. Là. Le centre, ça lui aurait dans la gueule. Tu sais que là, à 19h, on fêtera les 1 an d'un truc. Ça fait un an. Ah non, ça fait pas un an qu'on joue à FM. Non. Ça fait plus qu'un an là. Oui. Mais à 19h, ça fera 1 an qu'on fête un truc.
l'anniversaire de. C'est pas la journée internationale de la femme là d'ailleurs Des aujourd'hui? droits de la femme, ouais, si, ouais. Ouais. Ah. Bah, mesdames. Voilà, fait-on vos droits. Dites-moi qu'il n'y ait pas hors-jeu. Ah, Dites-moi. si, Parce que magnifique, moi je hein. le vois. Moi je le vois pas hors-jeu et je trouve que le but il est Je le magnifique. vois un peu hors jeu. Ouais. Désolé. Oh, le but il A été magnifique. était. Extérieur du pied là, pour, pour. Ils ont un problème, mes joueurs. À chaque fois que c'est leur premier match, ils. Bah ils veulent te dire, Oh là regardez, là. vous auriez dû me faire jouer avant, coach. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, Moukoko à qui chaque marque fois, je pour leur. Toulouse. Ah oui, en fait c'est ça, c'est que t'as fait genre il était blessé, mais tu l'as prêté à Toulouse. Ah, on m'a démasqué. C'est le foiré. Bon alors, il y a un an, on fêtait quoi? Les débuts de Zaïre. Le match géographie histoire remporté. Voilà. Il y Voilà. a eu tellement il y a eu tellement de trucs ce 8 mars aussi. Bah 8 mars, c'est journée des droits de la femme. Anniversaire de ma sœur. En général, Ligue des Champions. Et... anniversaire de Zaïre Emery. Oui, c'est vrai. C'est Bah vrai oui, qu'il c'est a... pour ça. Il a 18 ans aujourd'hui. Hein. Mais oui, Voilà, on s'en il rend est pas assez majeur. compte. Ah mais du coup c'est aujourd'hui qu'il est censé signer sa prolongation de contrat au Ah, PSG. peut-être. Bah, probablement, ouais. Et là, il prolonge pas. Le drame. Il part au Real avec Mbappé. Full package. Mbappé. Et Zaïre Emery. Mbappé, Zaïre Emery. Putain, tous les talents. Et Kurzawa. J'ai vu Kurzawa hier dans le, dans la salle. Ça m'a fait beaucoup rire. Je l'ai plus vu à l'écran dans un match, dans une soirée MMA que sur un terrain de Ligue 1. Et pourtant, il est resté que 2 secondes à l'écran. On a vu Gibbs, où il y avait marqué French Rapper, et à côté, il y avait Dadju. Mais c'était pas marqué. French rapper. Ouais. French rapper. Ouais. Merde. C'est Parce que quoi, oui, à Kipchoge? ses C'est le débuts, rappeur ou d'accord. French? Non. Parce qu'à ses débuts. Oui, ok. Il a encore quelques sons. Péno? Ah voilà. Il a Putain, encore. non, c'est pas Il a. possible. Ah non. Il a encore quelques sons sur ses albums qui sont rap, mais qui. Mais ses albums sont claqués, donc voilà. Mais oui, il y avait Dadju à côté, et lui, il a pas été présenté. Moi je suis désolé. Oh, c'est triste. Alors Moi qu'il je a quand suis même chanté la triste scène d'ouverture que. de la CAN. Ah ouais? J'ai. Dadju et Take, ouais. Et donc tu es triste que. Bah, moi je pense que t'as des mecs qui avaient des potentiels dans certains domaines, genre Gims dans le rap, je suis sûr que s'il avait perfectionné son truc. Voilà, clairement. Ou alors Kinvé dans. La Zumba. Dans. Comment ça s'appelle? Non, non, non. La variété. Non. Le paillard. Non, je vais dire un truc et ça va sembler raciste. Le zouk. Bob Marley. Le reggae. Oui. Pourquoi raciste? J'allais dire la Jamaïque, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu trop ciblé. Non, enfin ouais, un peu, ça va. Donc, ouais, le reggae, je pense que Kinvé en reggae, par contre, premier degré. Ah, peut-être, oui, ça pourrait faire un Dans truc. ses chansons où il utilise sa voix bien grave et qu'il enchaîne, je te jure que t'as un potentiel de reggae pour Kinvé, je te jure. En vrai, ouais, maintenant que tu me dis, pourquoi pas. Il y a plein de moments dans ces chansons où il fait des What? Des trucs comme ça et je te jure que ça marche de Ok, Let's Sean Paul. go! Le miracle! Et sur un centre de Arthur Teufel. Maintenant que j'ai battu le PSG, est-ce que c'est pas le moment où je vais commencer à perdre contre Marseille? Non, parce que moi je bats le PSG et je perds pas contre Marseille. Ok. Enfin, je bats le PSG. Je Doucement. perds pas contre le PSG. T'as au Je cercle, dis t'arrives à ça. tenir le match nul contre Lyon, alors qu'on les a humiliés tous les deux. Hors jeu. Même pas. Ah, mais la combinaison de Lille hier sur corner était très très belle. Hein. Oui, non, non, mais. Personne s'y attendait, il a eu tout le temps pour tirer, enfin pour centrer, C'était un centre, ouais, enfin, mais. on saura jamais. Christophe Jallet. Roby, mais Roby à chaque fois sur corner, c'est. C'est magnifique. Quand c'est pas de même quand c'est pas de la tête, il marque. Regarde-moi ça, guette un peu là. Lui aussi, hein, c'est un Ah, forcément. c'est lui à la tête, hein. On l'a. C'est lui à la tête, c'est vrai, de base.
Mais c'est quand même Et on important. remercie Roby à la tête, Michel à la sono. Marseille fait match nul aussi contre Monaco. Pour l'instant, on se détache tous les deux. On Ouais, s'attache. c'est. Ah, monsieur 4 accords. Et on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas. Non, non. Faut pas qu'on s'attache. Avec moi à Paris. Ouais, c'est un peu ça. Non, 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 Les non, amis, non. j'ai un message à vous faire passer. Le monde est beau, alors attachez-vous. On part tous dans le train de la beauté. Allez, POV, tu t'appelles Valentin ou Fiscofi. Alors. Valentin? Ah, ah ouais? Ah, ok. Non, mais il est un peu. Monaco Man. Ok. Il est un peu. Non, il est un peu. Ouais, il est. Tu vois. Nous. On est attiré par des femmes, tu vois. Ouais. D'accord. Et Bon, bah, lui. c'est ça qui te pose problème. Non! Mais. Non, enfin bon. Non, c'est pas le problème. D'ailleurs, c'est pas un problème en soi. C'est lui le problème. C'est que. En fait. Tu t'enfonces là. Non. Marge. Marge. C'est que. Le problème, Camille. C'est bizarre. C'est que lui. Bon, tu vois, il y a l'enculeur et il y a l'enculé. Oh là Bon, là, mais qu'est-ce que tu me racontes là? lui, il est plus de type. Passif, oui, ok. Et du Ouais. coup? Bon. Oui? Ouais, il a un comportement un peu efféminé, quoi. Mais et alors? Mais est-ce que j'ai dit que c'était mal? Bah ça a J'ai l'air de te juste dit que j'étais déranger en depuis train tout à de. l'heure. Non, ça. Moi, ça. Moi. Moi ça Tu m'excite pas. sais. Non, Qu'est-ce qu'il me raconte avec ses théories nouvelles là? mais. Des hommes enceintes, c'est ça qu'ils appellent le progressisme. Ah, c'est vrai que. Je suis heureux comme qui a raté le train. Oh, Morton qui rate un penalty pour Lyon, mais je J'allais le dire, t'aime. j'allais le dire, j'allais le dire. Tu Oui, m'as. j'allais le dire! Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. La Il laine, lui la a fait laine, la laine. l'amour! La laine, la laine, la laine. Oh oui, bah. Il m'a. Ça, c'est pour le plaisir du. En fait, je pense que l'équipe rêve de Camille chez moi, c'est en pointe t'as Baldé. Au milieu, t'as Baldé. À gauche, t'as Belhadj. Ouais. À droite, t'as Bouguenza. Ouais. Milieu de terrain, Lizarazu, parce que voilà. Ouais. T'as Je suis les gars nostalgique que en j'ai fait. vendus. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je suis pas un enculé. Je me coupe quand même en pointe. Quand même, abuse pas, mais. Mais c'est juste que Non, ça me fait Moukoko rire à de voir droite. Baldé marquer quoi. En même temps, il a sauvé. C'est comme, tu vois, il y a d'autres moments, genre Moukoko qui marque le Oh là doublé là. contre Dortmund, alors qu'on est mené 2-0 au score cumulé. Mais voilà, tu vois. Et derrière, il vient marquer le doublé 2-2. T'as des moments comme ça, tu vois, en Ligue des Champions qui te. Oh là là, Monaco, Monaco! 3-1. Ouais. Let's go! C'est le bruit du multiplex. C'est vraiment le. Ah, on m'annonce. Ah, alors attendez, parce que. On m'annonce qu'il y a. Insupportable. On m'annonce qu'apparemment il y a un but. Fin du jingle. Il y en a genre bien plus tard.
La jeunesse de Strasbourg, plus forte que le PSG. Faire gaffe parce que les jeunesses plus Allemagne après, c'est pas un bon souvenir. Tu changes le Les nom jeunesses des habitants. strasbourgeoises. Non, mais après, tu changes le nom des habitants de Strasbourg, tu dis les jeunesses strasbouriennes, et c'est bon, t'es bien Secours. là. Vous savez, on a une académie militaire avant d'être un club de foot. Et on n'arrête plus les jeunes! Les vrais jeunes cette fois-ci! Qui gagnent 3-0! Oh, je suis Paris deuxième. libéré! Je crois que je suis deuxième seul. Ça fait du bien. Et oui, effectivement, mon cher Jean-Marc, vous êtes deuxième, tandis que derrière Strasbourg et Lyon sont à la poursuite avec 24 points chacun, et on observe une avancée fulgurante de Rennes. Je savais pas où j'allais. Là, C'est j'avoue, comme ces je savais moments. pas. Moi, tu sais, c'est quoi les moments qui me faisaient le plus marrer? C'est quand on demandait au mec de la moto qui était derrière, qui suivait le premier groupe de lâcher, Ouais. on lui a demandé comment allait, machin, etc., comment il est sur le vélo. Tu vois, il commence à décrire. Il est en mode, oui, alors je le vois, il dandine vraiment, hein, il est en totale perdition. Et attends, on vous coupe, on vous coupe, parce que devant, il y a une attaque devant, il y a une attaque d'Alberto Contador qui s'en va. Ah, excusez-moi tout de suite, nous n'en avons rien à foutre. Bah, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, ma priorité au direct, quoi. Mais sauf que du coup, c'était trop marrant de voir les gars être en mode. Ah, Ah, dommage. attends, allez, non! Alors oui, effectivement, comme vous pouvez le voir sur les... Ah, on a perdu la connexion avec François, malheureusement. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part en vacances, peut-être? Est-ce Ouais. qu'on. Tu veux? Ouais. On Putain, on revient part tellement le en vacances. 6. Je pense que les joueurs, ils en ont marre de nous voir partir tout le temps, tout le temps. Bon les gars, à la semaine prochaine. Du coup, on revient le 6. Oui, pour toi. Aux armes! Oh, Nous sommes des joueurs de foot. nous Et nous sommes. jouons au foot Ouais. avec un ballon. Avec un ballon. Jamais de ballon. Jamais de ballon. Oh. Ok. Et du coup, prochain match du Mans FC, ce sera contre Martigues. Ah, c'est pas À, Sochaux, on joue? oui, à domicile, contre Martigues. Et en honneur de la journée des droits de la femme, toutes les femmes auront des places gratuites. Et pourquoi du coup toutes les places des hommes sont pas gratuites les autres jours? Parce que c'est le reste de l'année, la journée de... Bah oui, bah justement. Je sais pas si c'est une bonne initiative ou pas, j'arrive pas à savoir. Indice UEFA, la France passe devant l'Espagne. Wouhou! Ah ouais? Non mais sur une saison. Cette saison-là actuelle. Oh là là. L'Euro féminin 2026 organisé dans 5 pays. Ça, c'est le début de la merde, ça. Oh là là. Pologne, Roumanie, République tchèque, Slovaquie et Turquie. Ah, il y a la Turquie de trop. Ah ouais, pourquoi la Turquie? C'est loin la Turquie de tous ces Parce que pays-là? là, les quatre, c'était parfait. Là, les Bah oui, quatre, parce que c'était vraiment c'est à l'un. côté et tout, tu vois. Mais la Turquie? Ah là là. Puis la Turquie, c'est pas très safe. Oh, les stades vont être pourris. Après, avoir une bonne ambiance. Oui, il va y avoir des grosses ambiances, les Bah stades après, faut seront que les stades beaux, soient pleins, quoi, certains. pour qu'il y ait une bonne ambiance. Boubacar Camara annonce qu'il prendra sa retraite. Super. Bah super. Il y a encore un joueur qui finit sa carrière chez moi. Ouais. Il se passe quoi sur le Paris-Nice et le Tirreno? Putain, il est déjà 15h30. J'ai pas envie d'y aller. Tu reprends Viens, à quelle heure, toi, on 16h? stream. Ouais, Ah, 16h30. donc là, On vient, encore. Ah oui. Mmh. on stream jusqu'à la fin de la La vie. journée, là. Non, mais on s'arrête pas. Bah, c'est comme tu veux. Genre, je démissionne maintenant. Genre. Ah ouais. Ouais, ça me saoule. Le mec est chaud. Non, mais. Le mec est chauve. Bah vraiment pas, hein. Bah non. En vrai de vrai, non. C'est quoi le classement général là, du Paris-Nice? La vérité. Putain, il n'y a pas de français dans le top 10. Ça, c'est triste. Fuck. Oh non!
Oh non, la blessure. Alcaïd? Nampion Bah, y a rien de drôle. Ouais. Je trouve vraiment qu'il y a rien de drôle. Après, c'est mon Oh, avis. j'adore. J'adore rire. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. De rire? Ouais. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura plus d'humains sur Terre? Il n'y aura plus de rire, mec. Ah ouais. Il n'y aura que des gens pas drôles. Let's go. Je vais vivre 20 Il y ans de aura que plus. des. Il y aura que des gens comme moi. Oh. Prochaine Oh. compétition à observer, alors. Bjork Lee est désormais davantage concentré sur son jeu et a moins tendance à créer la polémique. Sans mieux bien mieux gérer la pression liée aux attentes, il semble plus déterminé que jamais, il semble faire preuve d'un peu moins de loyauté. Salaud. Salaud. On va féliciter Pekovnik pour ses performances récentes, parce que quand même 4 buts, c'est pas mal. Bah dis donc, bravo mon petit! Voilà! J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Alors mon petit, j'ai plus de batterie. Alors. Oh là 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 là, les jeunes qui battent Lyon 4-1. 8e Lyon. Lyon est au fond du gouffre. Qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il veut un nouveau contrat, Martelly? Wow. Oh. Il veut pas. Aïe, aïe. Veut pas plutôt aller se faire enculer. Avec son souhait d'obtenir un nouveau contrat, il termine quand son contrat? 2036. Oh. Ça va. Alors, je viens de voir. Ah bah voilà. J'envisageais un nouveau contrat, mais le fait que vous veniez me voir. Blablabla. Blablabli, Et oui, Michel, il semblerait que l'entraîneur ait répondu blablabla. Alors, mon petit Ganderugador, alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu as pris le ballon, tu as pris le ballon. Le ballon, héros, tu l'as pris. Le peut-être le plus grand espoir gâché de l'histoire du foot. Alors, mon petit, le ballon, tu... Tu es grand aujourd'hui, tu es grand? Ganderugador, tu te sens bien. T'as mangé quoi ce matin? Tu as mangé les figues, tu as fait comme je t'ai dit? Les figues, c'est bon les figues, tu as mangé. Pas fermer sa gueule. Ah, si, là, tu m'as bien lu, tu m'as bien joué, bien joué, petit. Et pour Paris, allez, allez! Sondage des supporters Manchester United. Jadon Sancho devrait-il être en équipe première? Oh la vache, ah ouais, les temps ont bien évolué, hein. Bah pas tant parce qu'on se posait les mêmes questions. Hein. Parce que ça marche plutôt bien à... Borussia Dortmund! Je sais pas pourquoi. J'ai Bon, paniqué. après, tu. Non. Non, mais après t'es raciste. C'est pas... Terra. Botanica. Patron. Botanicon. Ah bah toi aussi tu joues Bataille. mercredi puis samedi. Voilà. Enfin, tu vas comprendre ce que c'est. Hey, non! Après, je joue contre Lorient, je crois, Ouais, Lorient, c'est chaud. non? Ah, Dortmund a viré son coach. Bah, Son Lorient, eux, ils coach. auront vraiment. Lorient, ils auront vraiment eu 2 semaines de pause, quoi. Vraiment, c'est. Mais Dortmund, ils sont en quoi là? Probablement en fer déjà. Ah, Fabinho, il veut partir! Bah sache que mes portes sont ouvertes, Fabio Battista, moi qui t'appelle par ton vrai nom, car je te connais. Bah. Bah attends, mais Dortmund, ils sont Oui, en quoi? Oui, je vais prêter. Allez. Dortmund? Allô? Salut. Fabinho est en prêt, hein. Picasso. Ah mais j'ai plus de place en play. En play. En plaît. Alors là, j'ai de la place en play, mais ça va pas le faire. En prêt, j'ai plus de place en prêt, hein, je peux te le dire, hein, en prêt. Alors Hein. la semaine dernière, j'étais avec 5 vaches là. J'ai dit on a battu une demi-douzaine.
Ah, c'est vrai qu'on a des conditions qui sont vraiment particulières. Ça, c'est. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est. Je n'ai pas aimé le moment où il s'est moqué des agriculteurs. J'ai trouvé ça Masterclass, c'est le choquant. moment dans Zen avec Hugo Décrypte d'ailleurs sur les agriculteurs. Je m'attendais tellement pas à la question Je l'ai pas vu encore. J'ai des trucs à là. Oh rattraper. merde! Ok, je te dis rien, je te dis rien, je te dis rien, je te dis J'ai rien. des trucs à rattraper. Même celui de Domingo, je l'ai pas vu non plus. Domingo! Pas de Quel bad pro. acting d'ailleurs de la part de Domingo, pardon, excuse-moi, mais à chaque fois que Domingo fait de l'acting, j'arrive pas à savoir s'il est très bon ou s'il en fait trop. Je pense que c'est. Il en fait trop. Ouais, déjà, moi, j'ai vu son truc de débrief d'avant Danse avec les stars d'Internet. Là, ça va être très très drôle. Ah ouais, non, c'est... Oh, Après, alors, les j'avoue, jeunes c'est ont pas fait trop mon 2-2 contre truc... le RB Leipzig. Ok, ça va. Le Racing Ball Sport Leipzig. Parce que... C'est compliqué, hein, la psyché, hein, les jeunes, hein. Leipzig. Bah, ils avaient gagné le match, allez. Oui, mais... Je veux dire, les jeunes de la psyché, c'est toujours... Hein. Du coup, je pense que tu joues à... Ah, tu joues en même temps que les autres clubs français. Là, t'es dans la merde. Parce qu'il y a de nouveau Paris Arsenal et Lyon Milan. Et là, je t'avoue... Tu veux dire Oula, Paris, mais on cette risque de... fraude? Ok. Paris, ils sont sur deux défaites consécutives, là. Hein. Ouais. 3, 4. C'est bizarre, d'habitude, là, Aux t'es... D'habitude, le PSG perd, puis derrière gagne 8-0. Et ils ont pas Bah, réussi. ils vont peut-être gagner 8-0 contre Arsenal, peut-être même 16 vu qu'ils ont perdu deux fois. Ah! Ah! La musique dans la peau! Ça y Je est, pourquoi? C'est les paroles de la sais chanson. pas. Tu es blanc et tu chantes une chanson chantée par une noire, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Stormberg! C'est ça que ça donne quand on a une vraie équipe qui joue ensemble, qui est capable de battre le PSG et qui joue chez elle, à la Méno, aux armes! Toujours plus. Bon, là, si je suis un peu fatigué, j'ai l'impression qu'ils ont joué ce week-end. Je te jure, le cri de base. Le cri de base, c'est en mode. Ça a carrément saturé tellement De quoi? tu. Tellement t'as crié. T'as Tellement t'as mangé? crié de base que t'as ça. Le micro a saturé Ah bah carrément. oui. Ça a vraiment fait. J'étais mort. Burkly, le buteur qui s'élance, Burkly, El Clocador. El Clocador, El Clocador, El Clocador, El Clocador. Oh, Ah voilà. bah oui, bah là, bah là. Croqué! Attention, elle passe faire submerger sur le côté. Raoni, Raoni, Gustafsson. C'est le joueur de tennis ou quoi? Milos Raonic? I got it. I got it. Alonso, I got Fernando, it. il est rapide, il est rapide, Xabi Adeyemi. Alonso, RB Adeyemi. Alonso, cross, Jonathan. Il y avait Tony. Ok. Pour le moment, C'est et que le la PSG qui a dixième marqué. minute. Le PSG a marqué contre Arsenal. Voilà, c'est parti. Attends, C'est mais c'est que la parti, dixième minute là? revanche. Parce qu'on a quand même Et beaucoup oui. d'occasions. Mais attends, mais on a marqué la combienième? Ah, la La quatrième! troisième. Ouais, bah du coup, ça doit être pendant la troisième, donc c'est la 4. Hein. Je ne me souvenais plus. You know what I mean? Non. Ok. Très bien. Très bien, j'accepte. Ok. Boylson! Boylson! Bjorkli! Oh! L'action est longue, ça va être un but! Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pour Leipzig! Non, regarde. Mauvaise passe récupérée. Agnon! Contre. Agnon! Agnon! Paolo Bernardo! Adeyemi! Voilà. Mais pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu, il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu. On Il s'est part vraiment de derrière le défenseur là un pour le petit coup. peu trop emballé sur ce début de match. C'est validé.
12ème minute. Qui perd son duel défensif parce que de base il part de derrière. Hein. C'est Magliano, comme par hasard, c'est déjà lui qui avait couvert le hors-jeu la dernière fois. Tu m'étonnes, Davidé, que tu sois pas pris en équipe nationale. Et 2-0 pour le PSG. Voilà, voilà. Alors, le RB Adeyemi qui est de retour. Ah non, Liverpool fait 0-0. Tu feras gaffe parce que moi je m'en souviens très bien, il m'a mis un quintuplé une fois. Ouais, ça y est, plus d'action. Ça y est. On a vu les 12 premières minutes, on est à 23ème. Le classement du groupe est infernal. Hein, ouais, non, ta gueule. Je veux pas entendre parler. Magliano. Oh, y'a Péno. Toujours plus. Boy Le Sac qui, on rappelle, hein, est défenseur, on sait pas ce qu'il fout là. Björkli pour le doublé. Oh non, dommage. C'est Björkli qui est mes problèmes. Oui. Okay. Alvaro Marcio. Mais qu'est-ce qu'il vit ? Ah non, attention, Adeyemi, Adeyemi. Il a quel âge Adeyemi maintenant du coup ? 40 ans. Ok. Bien joué. Oh la vache. C'était géré. Alonso, et attention parce que la Leipzig reprend le dessus sur le match. Bah bien joué la tête là. Il est passé totalement à côté quoi. Non, c'est. Bon. Comment ça le Shakhtar a 7 points? Le Shakhtar mène contre Liverpool là? Apparemment. Non. On va tous se faire aider par le Shakhtar. Non mais attends, mais c'est y a un monde où j'affronte le Shakhtar en 8ème. Hein. Tu verras que c'est pas facile. j'ai peur, hein. Allez, Alan. Mais non, mais putain. Mais tu l'auras jamais ton ballon d'or. T'es une merde, Alan. Je le dis, en ce moment tu marques plus. C'est le moment idéal pour dire, regardez coach, je marque plus, bah prenez ça dans la gueule. Et non, toi qu'est-ce que tu fais? Je vais tirer sur le gardien. Bouffon va. Attends, par contre, premier dog, il y a vraiment le Shakhtar qui mène 1-0 contre Liverpool à la mi-temps. Là. Bon, j'utilise l'argument de la revanche. La dernière fois, en 1983. Hein, souvenez-vous s'ils nous ont fait les Allemands. Je peux vous dire que vos parents, ils s'en souviennent. N'a pas oublié ce qui s'est passé en 1870. Le mec, il part beaucoup trop loin. En 400 avant Jésus-Christ. Techniquement, t'as pas le droit d'affronter les clubs allemands, non? Bah pourquoi? Parce que t'es un club allemand. Ah, c'est marrant ça. 3-0 pour le PSG. Ah, pour le PSG, oui, ok. Je pensais que c'était pour le Shakhtar, monsieur quelqu'un quoi. Non. Pour le PSG. Mais t'as tout ton temps pour la tirer. C'était. Non. Par contre, là, c'est la merde si Shakhtar gagne. Parce que là, c'est au-delà du match nul qui serait un bon résultat. C'est la merde là si Shakhtar veut gagner. C'est la merde pour tout le monde en fait. Ah bah pour Leipzig, pour toi. Pour Liverpool. Ouais. Oula. Caca culotte là-dessus. Ah bah. Y'a 4 ans entre les Rangers et Saint-Gaden. On est à la 67ème. Le back-to-back 5-5 là. Allez. Oh. Il a essayé. Ah, mais faut pas se jeter là-dessus. Oh. Oula. Allez Alan, lance-le. Peko. Peko ? Björkli ? Oh ! Il nous avait déjà fait un super match, hein, le gardien adverse. Oui. Blessé ? Qui ? Bah, je sais pas. Il y a pause, il y a un joueur au sol. Ah non. Ou alors c'est chez eux. Parce que chez moi, tout le monde va bien.
plus, c'est Luis Suarez qui a marqué contre Liverpool. Ah ouais. C'est... l'histoire. Mais ça peut pas être Luis Suarez. Bah, il est un peu vieux, là. Mais il y en a deux des Luis Suarez, non? Ah, bah ça c'est même possible. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il me semble qu'il y en a un autre. Hein. Oui, ah, non, lui, ouais. Oh, Péco! Oh, Péco! Non, par contre, il y avait une faute sur Alain au début de l'action. Hein. Oui, mais ça laisse l'avantage, Camille. Bah oui, mais il met un. Oh! Mais un jaune là, il est anti-jeu! Parce qu'il a pas pu suivre l'action du coup. Est-ce que pourquoi Péco il met du temps là? Parce que pour ça, mec. Pour amener un super 6 mètres. Oh, Liverpool! Et Lyon qui se prend un rouge, mais putain. Allez. Il est 21h, mais le ciel est bleu ici. Oui! Oui, monsieur! Oui! Au moment où je le dis! Au moment où je le dis! Il est 21h, mais le ciel est bleu ici! Oula. Là, je suis pas content. Il faut plus que Liverpool fasse match nul. Et on sera pas. Et le match nul de Liverpool! Oh non. Oh non. Oh non. Que Liverpool avait égalisé, c'était parfait quoi. C'est vrai. Ah ouais. Le coach qui saute au moment du but de Leipzig. Ah, oh, c'est Declan Rice en plus. Oh. Oh, c'était bien tenté la passe. Ah, siffle ta mère, à chaque fois on siffle au milieu de mes actions là. Oh. Oh non. Ah, puis on les a dominés de fou. Personne ne repart. Ah, la 4. Dominés de fou. Bah, ils ont eu des occasions, termes, mais en vrai, la deuxième mi-temps elle était largement à nous. Hein. Oui, mais. Ils étaient complètement morts leurs joueurs. Justement, j'ai fait exprès de faire ça pour. D'augmenter le rythme pour qu'il soit plus mort. Putain. Alors là, par contre, va falloir analyser le groupe parce que. Là, ça devient compliqué. Là. Mais le problème, c'est le Shakhtar qui fout la merde là. Mais parce que là. Attends, parce que là, ça devient compliqué. Hein. Il te reste Liverpool. Et le Shakhtar. Parce que là, si Leipzig gagne contre le Shakhtar, c'est. Bah, faut que j'aie mes deux prochains matchs pour au moins essayer d'accrocher la C3 quoi. Ah mais là c'est. Putain, pendant deux secondes t'avais le bon scénario. Non parce que là attends. Putain, Lyon qui perd la dernière minute contre Milan. Parce que là, si on regarde ton groupe. Ah c'est mort. C'est mort, c'est mort. Bon bah, tant pis. Non, tu peux encore finir troisième. C'est chaud. Hein. T'as perdu à Leipzig? Ouais. J'ai fait nul contre le Shakhtar et nul contre Leipzig. Là. Non, bah si, il faut que Leipzig... Si Leipzig gagne et que toi, tu gagnes contre le Shakhtar, tu passes devant le Shakhtar déjà. Ouais. Je suis dégoûté. Mais je savais que le groupe il était plus compliqué qu'il n'y paraissait. Hein. Après, si le bon scénario pour toi. Ah, mais ça tire, t'es obligé de battre Liverpool quoi. Mais en fait, ça dégoûte parce que le Shakhtar. Enfin, le Shakhtar, ils ont eu une frappe cadrée contre nous. Ils ont eu un tir cadré contre nous et c'était le bon quoi. En fait, on connaît pas le classement si vous êtes tous les trois à égalité, c'est ça le truc. Parce que je me dis, il y a un monde où, imaginons, tu fais match nul contre Liverpool, ok? Ça te fait passer à 3 points, ok? Derrière, il y a match nul entre Shakhtar et Leipzig. Ça fait 6 points pour eux. Tu vois ? Ouais. Mais si tu bats le Shakhtar et que Liverpool bat Leipzig, vous seriez tous les 3 à 6 points. Ouais. Donc,
Je ne sais pas quel serait le classement avec vous trois à égalité. Parce que à la rencontre particulière, tu fais match nul, défaite. Mais du coup, tu ferais match nul, victoire et défaite. Le Shakhtar, ils font match nul, défaite et victoire pour le moment. Ah, ça pourrait. Bon, quoi qu'il arrive, tu dois prendre au moins un point à Liverpool. Et si tu perds, bah, il n'y a pas le choix. Faut pas qu'il y ait match nul de l'autre côté. Dégoûté. C'est quoi? Tu sais ce que je vais faire? Je vais pas aller voir ton prochain match de Ligue des Champions. Je vais aller observer le match de d'à côté. Si tu veux. Oh, putain. Et là, c'est compliqué hein, parce que si tu perds et qu'il y a match nul de l'autre côté, t'es éliminé. Il y a plus de doute. En fait, t'as chaque. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est Non. parce que ton équipe fait Ah oui, trop si tu perds. d'erreurs ou est-ce que c'est parce que t'as le Shakhtar qui était. Ouais, mais même si le Shakhtar était pas prévu. Mais le Shakhtar, quand je les ai joués, ils ont eu qu'une seule frappe cadrée et on a fait un partout. Ouais, c'est Ils vrai. ont eu qu'un tir cadré et on les a dominés de fou. Liverpool, il y avait la place pour qu'on fasse au moins le match nul et on a perdu. Leipzig au match aller, ils ont quand même dominé. Et là, il y avait la place pour qu'on gagne largement le match parce que les occasions franches, c'était vraiment de notre côté, quoi, surtout à la fin, quoi. Il y a ce corner, quoi, putain. Ah, j'ai le seum. Là, je honnêtement, Ah, moi, en fait, je me prends les clims que toi tu te prends les le chauffage. En te fait, vole moi tout. ça commence bien et ça finit mal, toi ça commence mal et ça finit bien. Mes jeunes ont battu l'Ajax. Let's go. Ça, c'était quoi l'objectif en LDC déjà? Être compétitif. Les derniers, c'est pas très compétitif. Non, c'est pas faux. Déçu M'avait des pas dit dernières qu'Escoto performances il de serait de Chétine? retour. Ah bon? Excusez-moi. Hein. M'avait dit qu'il serait de retour le 5 novembre. On est le 8, il est pas là. Pas bon. Apparemment, Moukoko est de retour maintenant le 19 janvier. Et non plus le 23 janvier. Voilà, donc il sera de Ça retour veut pour le dire que PSG. désormais. Ça veut dire que maintenant il est de retour pour le PSG. Voilà. Oh, et donc, qui avait pu le voir venir? Allez, encore 5 jours et il sera là pour Lyon. Putain. C'est grave. Hein. Bon Oh, je alors. suis dégoûté. La BBB. Oh là là, ça fait peur. Putain. Et en fait, à chaque fois que je me fais éliminer en LDC, la dernière fois aussi, j'avais fait un parcours qui était pas trop mal, mais c'est juste que. Une ou deux défaites en trop, quoi. Enfin, un match un peu bizarre en trop, et puis voilà. Ouais, la seule fois où tu t'es fait éliminer, ouais, c'était. Après, le groupe était plus compliqué que celui-là, si je puis me permettre. Ouais, mais en fait, celui-là, il est pas compliqué sur le papier, mais il y a vraiment le Shakhtar qui fout la merde pour tout le monde, quoi. Oui, c'est-à-dire que le Shakhtar. Qu'est-ce qu'il y avait une petite équipe qui avait surpris tout le monde comme ça. Le Shakhtar est en train de nous faire une Costa Rica. Ouais, voilà. Le groupe était déjà assez compliqué comme ça, mais t'as le Costa Rica qui s'est rajouté en plus. Celui-là, vraiment, le Shakhtar, en fait, ouais, si ça se passe comme ça devrait se passer, c'est-à-dire ils perdent contre tout le monde et limite ils font un match nul, bah je suis devant eux, quoi. Et normalement, le match nul qu'on fait, il est jamais censé arriver parce que c'est première frappe, premier but, quoi. Après, de toute façon, il faut qu'on se concentre sur la Liga. Ouais, oui, bon après, il faut que tu. Pour pas que tu meures maintenant, faudrait que tu chopes le nul contre Liverpool. Ouais. Si tu perds, il y a encore un espoir, il faut que t'aies l'une des deux autres équipes gagne. Ah, on va quand même essayer d'aller chercher la victoire quand même, hein. Faudrait que ce soit le Leipzig qui batte le Shakhtar, parce que dans le cas inverse, bah du coup à la rencontre particulière, tu perds contre Leipzig, quoi. Donc en fait, il faudrait que le Shakhtar gagne. Que. Même si je gagne. Dans. Oui, il faudrait que Leipzig gagne pour l'autre match. Après, si tu fais match nul, bah le problème il est solvé. Il est réglé, on s'en fout du résultat d'à côté.
Non, mais après. Oui. L'objectif, enfin, vu le match aller qu'on a fait et la forme qu'on a en ce moment, je pense qu'on peut faire un bon truc contre Liverpool, surtout qu'on est à domicile. Là, on s'est pris une clim en fin de match, hein, mais franchement. À domicile, comme ça. Bah ouais, on peut faire un truc contre Liverpool. Non, je parlais de moi. Ah, toi, ok. À domicile, comme ça, on s'est pris Oh, une le clim. 7-7-1-1. Enfin, 7-7-1. Bah, plus pour longtemps, du coup. Voilà. Ah, par contre, à domicile, si on perd là. Perd à domicile, c'est la D là. Ah, dommage. Ouf. Allez, Roby. Ah oh putain, Freiburg s'est pris un rouge. Aïe. Putain, c'est pas possible. Ouais, bah non, mais c'est la merde là. Est-ce que tu es d'accord avec Draymond Green qui dit que Wembanyama ne devrait pas gagner le trophée de défenseur de l'année parce que la défense des Spurs est mauvaise? Bah, il y a une différence entre une équipe et un joueur après, mais. Bah ouais. Mais en soi, Mais après, je comprends l'argument son se point de vue comprend, parce ouais. qu'en soi, c'est vrai que bah, t'es un bon défenseur si tu réussis à porter ta défense aussi, quoi. Et voilà. Donc en fait les deux se reçoivent. Moi je dis qu'il mérite quand même parce que vu les stats qu'il fait, bon bah franchement ça se comprendrait s'il gagnait, mais en même temps s'il gagne pas, bah je trouve pas ça non plus scandaleux quoi. Mais juste il a des Encore une stats fois, de c'est fou sa furieux quoi. première. C'est sa première année, hein. Oui, bah de toute Zach façon H. on gagnera dans les années suivantes, hein, c'est ça le Parce problème. que c'est beau de le comparer déjà au grand de NBA, et puis c'est beau de voir qu'il gagne tous ses duels contre les grands joueurs de la NBA actuelle. Mais il faut pas oublier que c'est sa première année, quoi. Et qu'il a que 19 ans. C'est ça qui rend le truc encore plus monstrueux, c'est qu'il réussit à rivaliser dans tous ses duels alors qu'il a que 19 ans et c'est ses premiers matchs de NBA, quoi. L'avantage c'est que leur buteur est sorti. Ah mais il se passe rien dans mon match. Voilà. Oh, ok. Le gardien qui se trouve. On prend. Ça, les touches, c'est tactiquement travaillé. Bon, c'est normal, mais bizarrement on les perd. Ah, c'est contré par un joueur de l'Ajax et ça perturbe le gardien. D'accord. C'est un bon concours de circonstances, quoi. Ok, bah on prend, hein. On prend parce que on Pour peut pas se l'instant, permettre de l'Inter fait perdre à toujours domicile. 0-0. Oui. Pour l'instant. Mais là, on peut pas se permettre de perdre à domicile contre eux. Là, c'est trop. Ils ont fait quoi Paris et Lyon du coup? Je sais pas si. Paris a gagné 3-0 contre Arsenal et Lyon a perdu dans les dernières minutes contre Milan parce qu'ils étaient à 10 contre 11 dans les dernières minutes aussi. Ok. Putain, le Real il roule sur leur groupe, hein. Pourtant, il y a 2-0 contre City, là. City. C'est quoi? On est tombé sur un groupe avec Liverpool qui est plutôt en forme. Leipzig qui fait une saison bonne alors que toutes ces dernières saisons étaient à chier. Le Shakhtar qui fait une surprise pour moi. Ça le problème. C'est un concours de circonstances. Là aussi. Le Bayern premier devant Tottenham. Ok. United premier devant Porto. Ouais, United aussi roule sur leur groupe. Hein. C'est pareil que le groupe du Real. Puis il y a ton groupe. Mais on dirait la saison que j'avais fait. Hein. Mais moi, mon groupe, je m'en sors bien dans mon groupe parce qu'en soi, bah, j'ai gagné tous mes matchs, dont un bon, volé à l'Ajax. Ah ouais, non, ça Oh c'était le pas tac, puis nécessaire. après il lui fout la balle dans la gueule. Attends, il y a eu vraiment une action pour ça? Oui. Juste qu'il lui tire dessus, ça me fait rire.
On dirait les shorts disrespectful moment là du football. Oh. Et oui, parce qu'en soi, le seul match que je perds, c'est contre Inter, chez eux. Ce qui est pas révoltant comme résultat. Et je gagne mes deux autres matchs. Donc, tout va bien. Ouais, bah on va prendre le match nul. Hein. Si de l'autre côté ça reste comme ça, on va le prendre. Pour l'instant, ça bouge pas. Par contre, t'arrêtes de blesser leurs joueurs là. Non. Du coup, ton prochain match, c'est Fribourg, toi? Ouais, chez eux. Oh oui. Oh, oh mais c'est une dinguerie, hein. Je jure, c'est lui qui va devenir le remplaçant de Moukoko. Hein. Ibrahima. L'éternel Ibrahima. Il a marqué deux. Ce gamin, il a marqué deux buts dans sa carrière. Ces deux buts, ce sera en Ligue des Champions contre l'Ajax. Uniquement. Ok, tu rames. Je marque deux buts en équipe de France, c'est en demi de Coupe du Monde. Contre la Croatie, je marque contre personne d'autre. Il sera condamné à marquer Koga contre l'Ajax. Ah putain, la Lazio qui égalise Violetti. Ah ouais. Et pour l'instant, non, l'Inter fait toujours 0-0. Hein. Le carton rouge est devenu inutile maintenant. Je pense que vraiment sur les 4 derniers matchs, ça se tourne quand même très bien pour moi. Hein. Ouais. Parce que franchement, je m'en sors vachement bien. Mais je suppose qu'encore une fois, c'est l'expérience qui joue. Mais tu vois, c'est bizarre parce qu'on peut dire c'est l'expérience qui joue, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui découvrent. Ouais, mais t'as quand même pas mal de cadres en soi. Ouais, c'est vrai. Il y a un gros roulement. Ouf, et ben on prend cette victoire. Hein. Oh là 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 là. Après, on les a dominés. Hein. Ah oui, clairement. Genre, ok, ils ont marqué un but en début de match, mais. Es todo. Hop. Ah, et puis là, c'est match de Ligue 1, puis sélection. Toi, c'est contre Sochaux, moi, je joue. Non, Non, bah non. Je joue deux fois Sochaux. Je joue que Sochaux. En Ligue 1, non? Oui. Je joue Sochaux, non? Bah, t'as joué Sochaux, là. Ah! Je suis obligé de lui dire son calendrier. Lorient. Ah! Ah! Ah ouais. Ah merde. Ah. Bon, Lorient, c'est derrière. Bah merci, merci Freiburg, hein, parce que. Ah, du coup, 0-0. Ils ont tenu à 10 contre 11. Ouais, ouais, 0-0. Ils ont tenu à 10 contre 11 pendant 80 minutes. 70 minutes, pardon. Bah, tu te retrouves seul premier de ton groupe. Hein. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Ouais, par contre, là, cette saison-là pour le COEF, elle est pas. Ah, elle est pas ouf. Hein. Ah, pour mon COEF, là, elle est pas. Ah, et ton COEF. Ah, ouais, ah, bah là. Ah, là, là. Bah, t'as quoi? T'as. 6. 6 points, ouais. Et on enlève une saison à 11. T'as quoi? T'as deux matchs nuls, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. On enlève une saison à 11 et après, ce sera une saison à 20. Ah. Moi je crois que ça va, la saison qu'on m'enlève ça va, c'est pas une grosse saison. 15. Ah quand même. Ouais, du coup Brest a changé de coach, ok. C'est l'ancien coach de Metz. Ah non, Toulouse. Toulouse-Rennes, ok. On ne regarde pas du tout ce qui se passe en Ligue Europa. Ah. Ça sera intéressant si jamais je joue la troisième place du groupe. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on avance au prochain match. Mmh. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir stream. Parce que dimanche, t'es pas là, c'est ça? Si, c'est samedi que je suis pas là. Ah oui, samedi, je sais. Ouais, du coup, t'écoutes jamais ce que je te dis. Ça fait 5 fois que je te dis que dimanche, normalement, je suis là. Ok.
Écoute-moi, mais enfin. Bordeaux, 2 victoires, 1 défaite. Marseille, 1 victoire, 1 match nul, 1 défaite. Bah super. La défaite, c'est contre Ross County. Ah! Il joue Ross County là. Joueur de qualité. C'est un joueur de qualité. Faisait de la Liverpool, ils ont perdu contre Chelsea. Liverpool, là, sur dans le leur jeu. dernier match, c'est victoire 1-0 contre le Shakhtar. Victoire 3-0 contre Villarreal. Aston Villa, pardon. Défaite 4-1 contre United, let's go. Défaite 2-1 contre Chelsea et 1 partout contre le Shakhtar. Petite méforme pour Liverpool. Ouais, bon, c'est le moment peut-être de. Enfin, je dis ça, j'ai rien, hein, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être le moment de prendre un petit point, comme si par-ci par-là. Ah, mais vraiment, je suis dégoûté du match de Leipzig. Parce qu'on avait tout, hein. Ah, C'est vraiment arrivé à la 90e, quoi. Franchement, je te comprends. En plus, les deux derniers buts, c'est sur corner, quoi. Voilà, faut se mettre un peu en confiance en jouant Marseille. Canebière. Canobie. Oh. Encore un voilà. problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au... Demandez à Lisa Razos de résoudre le problème. Tant que nous ne sommes plus s'inquiéter de son plan de jeu, bah tant mieux. M'en fous. Voilà. Vraiment, s'y raconte lui. Vraiment, lui. Ta gueule. Ah, faut que tu fermes sa gueule, 6-2. Ah ouais, c'est vrai que tu joues après moi. Ah ouais. Ah, t'as vu, hein. Bienvenue. Hein. Et puis l'Orient, les chiens, ils ont pas joué l'Europe. Vukovic élu Goal 50. Ah, ça... ça va pas si mal que ça, finalement, Liverpool. Ah, le... Ah. Les 50 meilleurs joueurs du monde. Vukovic, 27 ans. Moukoko, 9e. 6e, pardon. Wouh, 6e, oh. Ah, y a pas de Strasbourg. Non, y a pas Haaland. Y a pas... Comment il s'appelle? Y'a pas Al-Qaïd? Non. Non, c'est abusé. Ah, je pensais, j'allais, je m'attendais à un petit Robbie Morgan quand même dans on le top pas, 50. On n'est pas une assez grande équipe. Bah, ouais, y'a qu'un seul joueur de lance aussi. Hein. Ah oui, y'a qu'un seul joueur de lance, c'est Moukoko. Mais je m'attendais à avoir un petit Robbie Morgan, tu vois. Parce que bah, il fait quand ouais. même de super performances en défense. De super performances. Hein. Après, si j'étais vraiment gourmand, j'aurais aussi demandé Martelli et Lizarazu. Oh, il a été gourmand. Parce que. Oui, je suis gourmand. Mais j'aurais c'est parce demandé que... les 50 joueurs de mon effectif. Non, mais je suis gourmand, mais c'est parce que les 4 portent l'équipe. Voilà. Oui, non, mais je vois. Plus Marega. Mais en général, il n'y a pas les gardiens. En général, il n'y a pas les gardiens. Puis j'en voudrais bien un petit Baldé. Non, mais en général, il n'y a pas de gardiens. Donc c'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais si je l'avais dit, j'aurais rajouté Marega parce qu'à eux 5. Voilà. Bah oui, il y a un monde où Bjorkli un jour y est, hein. Normalement. Bon, on est annoncé comme favori face à Marseille. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Rennes a encore gagné contre Monaco. Rennes, ça commence à faire peur, hein. Bah, je les joue au prochain match. Ah bah super. Putain, ils ont 25 points les Rennais en 12 matchs. 3 défaites, c'est contre Bordeaux, moi et Sochaux. Mes contre-perf. Et le match nul, c'est contre Saint-Étienne. Donc, il y a 2 contre-perfs dans ce qu'ils ont fait. Mais sinon, le reste, c'est propre. Hein. Chouchou Marseille, puis Rennes, puis Liverpool. Bon, après, les équipes qu'ils ont gagnées, c'est pas fameux non plus. Ouais, je pense Monaco, ont... Monaco, Clermont, Nice, Lorient, Brest, Toulouse, Paris, FC, Metz. Donc... Ouais, c'est que pour l'instant, ils ont un calendrier assez simple. Ouais, ils ont joué ni Paris, si tu veux, ni Strasbourg. Je te donne leur calendrier. Lyon, ouais. Auxerre, Paris, Marseille. Ah, voilà. Bah, c'est ce que j'allais dire, ils n'ont joué que. Strasbourg, Lyon, Auxerre. Il y a Strasbourg avant. Voilà, c'est parce que j'allais dire parmi les premiers, ils ont joué que Bordeaux et moi. Donc. Donc ceci explique un peu cela. Oui. Même et si à chaque fois qu'ils ont joué contre les premiers, défaite. Bizarre. Bizarre. Bon, bah, on va s'arrêter là. Ouais. Bah, merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé ce live.
MCI, Football Manager. On se retrouve dimanche et cette fois-ci, ça va être une grosse session normalement dimanche si tout se passe bien. Yep. Donc rendez-vous 13-14h. Ah, super. Rendez-vous 13-14h pour le début et on est ensemble toute l'après-midi. Donc tout l'après-midi, c'est un après-midi. Tout ça, l'après-midi. Tu peux dire les deux. Ah ouais, ok. C'est comme chips. Je pensais que c'était plus correct d'utiliser le masculin pour un après-midi. Tu peux dire les deux. Ok. Donc voilà, quoique c'est la journée des femmes, on va dire une après-midi. Toute des l'après-midi. Droits de la femme. C'est la journée de la femme. Oh, le PSG a encore perdu. Contre Lyon. Épée. Quoi ? Non, c'est vrai ? Oui. Je viens de réaliser. Oui, le PSG vient de perdre contre Lyon. Attends, mais il y a un monde. Il y a un monde où tu passes premier. Il y a un monde où je reviens à un point du allez. PSG. Allez, à bientôt pour la prochaine. Oh non, mais on le joue là. Non. Allez, allez, salut à tous.